Salut French Play. Oh, dur le réveil. Enfin, dur le coucher à 6h surtout. Salut Blaze. Yo Benoît. Salut à tous ceux qui arrivent. On va essayer de faire un peu d'intraday sur le BTC. Par contre, je suis encore emmerdé. Bah, pour ceux qui le savent, je viens de finir mon déménagement. Je suis en setup double écran. J'ai pas encore fini tout mon setup. Donc je suis obligé de vous montrer entre guillemets que ce que je que bah, la plateforme FTX où je traite, sinon vous allez rien voir, vous allez rien comprendre, c'est chiant. Donc je peux pas vous montrer ce que je fais au niveau analyse à côté, c'est un peu chiant pour vous, mais j'essaierai de vous expliquer au mieux ce que je suis en train de faire, etc. Pour l'instant c'est pas compliqué, hein. On essaye de traiter le marché qui est en one way. J'ai du mal à short un marché où il y a Grayscale qui est revenu dans la danse là depuis 2 jours. Donc je me contente d'essayer de trouver des zones de buy tranquillement. Et puis de follow the move. Même si là ça a l'air d'essayer d'appuyer un peu en bas. Avec un. Vous me dites s'il faut que je monte le son du casque ou que je baisse la musique. J'ai un truc YouTube là, qui tourne là, quoi. Si c'est trop fort ou quoi. Ouais, on essaie de se contenter de suivre le marché. Là, le funding, c'est les shorters qui se font payer alors qu'on drop un peu. On va voir ce qui va se passer. Je viens de buy un BTC là à 38 100. On est peut-être un peu fort. Je peux pas le aussi. Vous me dites hein, si c'est trop fort. Yoval. Ah, j'ai rien rejoint du tout. Hein. J'ai reçu un un DM sur Telegram. De Mika, oui. Bah, je vous montre, hein, moi j'ai rien à cacher. Yo Balzit au Portugal, je fais yo, yeah, je reçois des DM. Ouais, je lui dis que je reçois des DM parce qu'il y a des mecs qui m'ont envoyé des DM. Je pense qu'il a copié-collé le DM qu'il m'avait envoyé quand il me demande si j'étais au Portugal. Dans des groupes Telegram ou quoi. J'ai des gens qui m'ont DM derrière. Je lui dis, je reçois des DM, alors un resto avec Mika, comme point d'interrogation, je pige rien, je suis au courant de rien. Et genre, il a lu mon message, c'était quand ça? C'était le 13, donc c'était il y a 2 jours, et il a pas répondu à mon message, donc je pense que c'est... Je pense que c'est les gens qui se sont fait un film, en fait. Il y a juste quelqu'un qui m'avait envoyé ça, je sais où. Ouais. Ah, m'a envoyé ça. T'as pas reçu le message de Mika Lamas qui te demande si c'est au Portugal, je pense qu'il a mis ça sur un groupe, en fait. Mais non, j'ai vu personne moi. Puis moi je suis pas dans le nord du Portugal. Dans le nord du Portugal il fait froid, il fait pas beau. C'est pas moi. Clairement c'est pas moi, hein, je vous le dis. Moi je suis dans le sud du Portugal, je suis au soleil. Je suis pas là où il fait froid. Yo moi, pas tout de suite. Là il faut savoir. Là j'ai déménagé le week-end dernier, ok. Je suis resté bloqué 2 jours en Espagne avec la tempête de neige de mes couilles là. Genre toute cette semaine je suis tout seul chez moi, c'est Bagdad. Quand je te dis c'est Bagdad, c'est genre j'ai pas ma femme, j'ai pas mes filles, je suis perdu, je suis un petit malheureux. Et ma femme elle arrive dimanche là. Donc je pense que lundi, mardi je vais l'aider à bien ranger les cartons tout ça. Et mercredi matin je pense que je vais installer mon bureau là-haut là. Histoire d'être tranquille. Donc ouais, plutôt pas début de semaine prochaine mais plutôt début de la semaine, fin janvier quoi, début de la semaine prochaine ou... Enfin, celle d'après où je serai plus tranquille et que je serai installé, quoi. Là, je suis pas du tout installé. Je suis en mode 2 écrans, une table de cuisine, mes 2 écrans posés dessus, mon PC, l'un de mes 2 PC à l'arrache, quoi. À l'arrache pour bosser. Yo, Crimo, ça va ou quoi? C'est pas toi dans la vidéo qui l'a mis sur Instagram? Non, non, non. Moi, je suis pas à Porto. En plus, j'aime pas le nord du... Honnêtement, j'aime pas le nord du Portugal. Il fait froid,
Ouais, quand il m'a envoyé un message, je pensais qu'il était vers là, vers ici, vers Lisbonne en fait. Et ouais, ça m'aurait pas dérangé de le voir, hein. Mais c'était pas le cas. C'était pas moi. Ça doit être un, je sais pas, ça doit être un mec de sa commune qui vit sur Porto, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un petit achat là à 30 100 au niveau du BTC. Après j'avais acheté moins cher hier, hein. Vous voyez ici j'avais acheté dans les Trade History. J'ai vendu ce matin, je sais pas, 5 BTC je crois à 38 700. D'un truc que j'avais acheté hier à 37 650, donc j'ai pris 1000 balles sur... je pense 5... pas plus. 6, 6, 6, 7 BTC 50, j'ai acheté 7 BTC 50 à 37 650. Il a pris 1000 balles 50, j'en ai vendu 2, 2,5 je dirais. Peut-être plus, 3. Ah, plus, ok, j'ai dû en vendre 5 même. Et là, je viens d'en reprendre un à 38 100. On va jouer une intraday toute la journée, on va accompagner une position déjà en cours. Et puis, bah, le but, c'est de balancer le plus de verres possible ici au niveau de la PNL tranquillement dans la journée. Je me suis dit, je vais lancer un live chill, comme ça je peux répondre. Je vais pas faire du scalping, je vais juste me contenter de. Je vais me contenter de suivre un peu le marché. C'était Laurent Billionnaire, l'influenceur. Laurent, il est du sud du Portugal, il est pas de Porto, hein. Enfin, je sais pas, Tito, je sais pas. Pourquoi FTX et pas Binance Future par exemple? Parce que je suis market maker chez FTX, ça veut dire que. Je suis payé pour trader chez eux. J'ai des frais négatifs en fait. Où est-ce que je peux te montrer ça? Non, je peux pas te montrer ça ici. Je peux te montrer ça ici. Referral. Tu vois, les maker fees, ils sont négatifs. Donc, bah Binance, vous payez pas mal de frais en fait. Déjà, de base, FTX est moins cher que Binance. Mais en plus, moi, je suis payé pour trader avec des maker fees négatifs. Donc, bah, c'est plus rentable pour moi de trader chez FTX que chez Binance. Donc, bah, tu vas là où ça t'arrange le mieux, quoi. Sympa ton live hier sur Discord. Ouais, je sais pas ce qu'on a fait. Ouais, on a pris 10 000 balles hier. C'est dommage, à un moment on était monté à 20 000, mais on s'est pris une belle bougie dans la gueule. Je crois que c'est à ce niveau-là, hein. J'étais pris ça dans la figure. Et j'ai lancé un scalp ici pour parce que je me suis retrouvé de plus 20 000 à plus 6 000 sur le bas de la mèche là. J'ai balancé un scalp très très rapide ici, assez chargé. Je suis sorti à plus 10 000 secs et j'ai coupé ma position. Si je dis pas de conneries, ouais, ça devait être vers là. Ouais, peut-être avant même. Peut-être plus vers ici. Ouais, c'était à 16 h 30. C'était à 16 h 30. On était en live. C'est celle-là que j'avais acheté le bas. Parce qu'on closait au-dessus de la moyenne, d'une moyenne mobile. Et je suis sorti vite fait sur le trade. J'ai essayé de faire ça vite. Salut Bolji, t'as pas peur du flux de Tether aujourd'hui, des résultats de procès? Ben, je suis pas. Je vais vous montrer, je suis pas du tout exposé en. On a pris la décision de pas du tout être exposé en USDT, tu vois, j'ai rien. J'ai un USDT, donc. je pense que c'est sur tous les comptes pareil. Tu vois, là, t'as tous les comptes. Voilà, on a un USDT, tout le reste c'est USD et Bitcoin. Donc, OSEF. Après, je pense que si. S'il y a une grosse panique, ça risque d'impacter les autres marchés, hein, même le BTC. On va voir, on va voir. De toute façon, on est live, donc on prendra une décision, quoi. Salut Bolgit, ok. Tu peux expliquer les éléments techniques qui t'ont fait prendre la position actuelle? 38 100, honnêtement, là je suis en full price action, les gars. Il n'y a pas plus de technicité que ça, à part le fait que, tu vois, ce matin-là, déjà à 7 h, on a full rebuy, il est 37 600. Donc on veut, je pense, hein, en intraday, sur aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'établir un bottom à 38 000 et quelques. 38 000, 38 100. Je me suis contenté de ça pour acheter ici. Et puis j'y vais tranquille, tu vois, c'est un compte où je suis pas mal collatérisé, je peux mettre pas mal de positions. Pour l'instant, j'ai une exposition de 3,5 BTC. J'ai déjà une PNL en positif de 5 000 balles. J'ai le temps de voir venir, quoi. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête sur. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on travaille sur les moyennes mobiles. J'aimerais bien qu'on reprenne au moins
au moins l'une des moyennes mobiles, voir ce qu'on pourrait faire derrière. Je vais vous agrandir ça, tu vois. Il y a eu un full rebuy là. Là, une deuxième fois, on a fait un Eiger Low. Là, on a refait un Eiger Low. Après, le marché, là, il y a eu. Je sais pas si. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On est reparti un peu vers le bas. Ouais, on est en début de séance européenne. Donc, il peut y avoir un peu de prise de profit. Là, j'ai racheté automatiquement parce que je vois que c'est un supply, une demande de supply qui a été travaillée. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas plus de technicité que ça. Là, je me contente de. J'ai une lecture assez simpliste du marché. Hein. Pour moi, la lecture du marché, c'est que ça fait deux jours qu'il y a Grayscale qui est revenu dans le move, qui a rouvert aux clients. Donc, on devrait être sur un marché bullish. Après, ouais, effectivement, il y a. Comment il s'appelle c'est Matt. Ouais, Matt qui en parlait. Il y a l'histoire avec Grayscale. Donc. Avec Grayscale, pardon. Avec Tether. Il faut voir ce qui va se passer dans la journée. Il faut faire attention quand même. Le compte a pris 1 000 000 depuis les derniers lives. C'est du gain ou un changement de répartition entre le compte Il y a un peu de tout là, je t'avoue que niveau PNL je suis pas trop mal dernièrement, mais j'ai pas fait pour 1 000 000 de PNL au niveau des futurs. Je vous montrais, j'ai rien à cacher, je me suis pris une casquette d'ailleurs en début de mois parce que bah, je tradais de chez moi et pas en condition idéale vu que j'étais en train de déménager. Vous voyez, début janvier j'ai fait de la merde. le 12 là aussi, il y a 3 jours, je me suis pris une belle. J'ai pris cher. Enfin, j'ai pris cher. J'ai mal commencé la journée et je l'ai plutôt bien fini, ce qui m'a permis d'encaisser pas mal de profits le 13. Et là, ça va, je suis sur 3 jours où ça se passe plutôt pas mal, donc on va voir ce que ça donne. Après, au niveau du compte, non, c'est juste. Au contraire, on a sorti de l'argent. Tu vois, on a eu une première. Enfin, il y a une entrée, il y a une deuxième entrée, il y a une troisième entrée. Là, c'est des profits liés au spot BTC où c'est monté haut. Là, j'ai même sorti de l'argent. Pour le balancer sur un autre compte, on a sorti 1 000 000 je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On a sorti 1 000 000 et là c'est non c'est le BTC qui remonte hein, qui me fait monter hein. Plus un peu de trading, c'est un peu les deux quoi. Bon, on va peut-être aller retravailler cette zone-là. On va check ça. Le compte a pris. Ça, j'ai lu. T'étais sorti BTC vers. Ouais, bah, on est rentré, bien sûr. Hein. On est rentré. On était sorti sur BTC, mais quand on a vu que. Bah, qu'on a dit non à une correction. Hein. Et surtout quand on a tapé la TH. On a laissé déborder un peu. Je crois qu'on est rentré. On est rentré aux alentours des 24K. On a loupé 3K, mais bon, c'est pas grave. Des fois, il vaut mieux. Il vaut mieux s'écarter du marché un peu pour rentrer plus fort, parce que si le marché l'avait corrigé dans ces niveaux-là, il aurait pu aller très bas aussi, quoi. On n'a pas la même tique, je m'attends à un pullback vers les 36, 200. Ouais, bah après, même s'il va à 36, ça me fait pas peur, hein, honnêtement. Regarde ma position. Je commencerai juste à rentrer négatif si on allait à 36 450, donc j'ai vraiment de la marge. Et je pense pas qu'on va faire un one way tout droit, surtout que là, je vois que le funding, il commence à switch. On commence à redevenir neutre. C'est-à-dire que les shorters finissent par. Là, ils se font de moins en moins payer. Il vient d'y avoir un reset. Hein, la bougie qu'on a eu ici, là. Regardez, c'est qu'on vient de changer d'heure sur FTX. Il y a 5 minutes. Il y a 6 minutes. Donc, il y a des gens qui sont sortis de position pour pas se faire. Bah, pour pas payer trop de frais, je pense. On devait être à 0,30. 0,0030. Donc, on va voir ce qui se passe, là. Vous avez quel temps en France là? Je me les gêne un peu moi. Il doit faire. Ouais, il doit faire 10 degrés là dehors. Il y a du soleil, il y a full soleil, il n'y a pas un nuage. Mais genre, il fait pas chaud quoi. Il ouvre mon téléphone. Je vais être à 10. Ouais, attendez, il fait combien? météo. Where are you? There. Okay. Il fait 12 degrés là. Mais ça caille un peu. Par contre, ouais, demain et dimanche, il fait full soleil. Et ça monte la température, ça c'est cool. On va monter un petit 16 là, au mois de janvier. Ça va faire du bien. Je suis frileux. Ah, t'es en Suisse, ouais, en Suisse. Forcément. Par contre, pourquoi mon téléphone il charge pas là? C'est casse-couille. Il commence à charger, il s'arrête. Putain de chargeur iPhone de merde.
C'était une semaine au Portugal. T'étais où au Portugal? Ouais, ça dépend des régions parce que t'as des zones qui sont vraiment humides au Portugal. Donc en plus, tu vois, même s'il fait 8, 9, même s'il fait 8, 9 degrés, des fois le ressenti, il est vraiment mauvais quoi. Si dans certaines régions du Portugal, certains endroits, ouais, c'est hard. Ouais, je switch ça, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des gens qui me parlent dessus? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Allô? Tu veux bien te mettre en plein écran? Ok, Telegram qui bug, c'est super. Tac tac, ça on s'en fiche, on s'en fiche. Ah. Pourquoi j'ai coulé un live, tu comptes long ou short? Là, je suis plus en longue, Matt. Je pense que c'est le Matt qui parle aussi sur le chat du coup. De toute façon, honnêtement, c'est un marché qui. Moi, pour vous donner mon idée là au niveau du marché, c'est simple, hein. Il y a Grayscale qui vient de rouvrir aux clients. Ils avaient fermé fin décembre, comme par hasard, on s'est mangé la correction. On se mange la correction sortie. Enfin, avant la fin de la correction, il y a Grayscale qui annonce qu'on rouvre aux clients. Fin de correction, on remonte. On a refait un one way vers les 40K. Moi, je vais avoir beaucoup du mal. Je vais avoir énormément de mal à short le marché là en attendant. Même sur de l'analyse technique, ce que vous voulez. Je vais plus chercher des scénarios à rentrer sur soit du scalp, soit de l'intraday en boule. Mais j'ai pas envie de short un marché où je sais que Grayscale est en train de racheter 2000 BTC par jour, quoi. Quand tu mets dans le Jura, neige dans le Jura. En Suisse, Tunisie, je suis en t-shirt. Bah ouais, mais bon. Tunisie, mec. Hein. Là, je fais caca, il fait froid. Ouais, non, mais t'es pas obligé de tout nous partager non plus. J'étais à côté de Villarreal, Mirandel. Ah, dans le nord. Villarreal, ça va être dans le nord, ça. Ouais. Ouais, il fait forcément plus froid. En plus, t'es derrière les montagnes, donc. Donc ça caille un peu plus quoi. Salut Bolgi, est-ce possible d'expliquer comment analyser les bougies mais s'il te plaît, j'ai du mal à bien. Alors, comme JD. JD, franchement, attends, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, quand je serai vraiment bien bien installé. Là, je refais le topo si t'arrives un peu tard. Je suis en train de terminer un déménagement, tu vois, je viens de changer de pays et je suis sur un setup double écran seulement, tu vois, sur une table de cuisine en mode à l'arrache. J'attends que ma femme arrive. Ça fait une semaine que je bouffe des pizzas, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Quand je serai bien installé et tout, je pourrai vous montrer. Là, en plus, je suis obligé de vous montrer que vous pouvez voir que entre guillemets le graphique et ma position en cours sur l'échange. Je peux même pas m'amuser à vous montrer les analyses techniques que je fais à côté et tout parce que. Bah parce que j'ai pas, tu vois, sur Streamlabs, je peux pas switch d'écran facilement. C'est un putain de bordel, sinon je vois plus le chat et tout. Donc, sois un peu patient. Et je pourrais vous partager des trucs plus intéressants. Mais là, là, je suis pas sur le setup idéal. Le funding remonte là. Pourtant, ça descend un peu. Kaisaras, mais on va quand même aller courir parce qu'on n'est pas des baltes. Non. Alors, je t'explique. J'ai un levier x20 d'activé. Mais regarde. Au niveau de mon compte, là, en collatéral, j'ai 2 millions 4 et je suis en train de trade avec 130K au niveau BTC. Regarde, ici, tu vois mon collatéral, je suis à 2 millions 4 et ici, tu vois ma position en cours. J'ai que 130K de position, hein, donc, un, j'utilise pas de levier et même pire que ça, je suis. En fait, je suis un levier divisé par 20, tu vois. En fait, j'augmente. Je vais vous expliquer comment je trade. En fait, je commence mes sessions. J'y vais léger. Quand je commence à avoir du green ici, là, quand je commence à être vert, je commence à charger un peu plus. Et petit à petit, plus j'ai de green, plus j'ai de signaux, on va dire, intéressants, plus je vais charger, plus je vais charger, plus je vais charger. Mais je vais jamais charger avant même d'avoir créé une ligne de profit avant. Je suis très très conservateur hein, dans mon trading. Hein. Je suis pas en mode full FOMO, j'y vais comme un barbare. Non, non. Je suis très très conservateur. Comment tu fais pour apparaître le récit sur FTX? Bah tu vas dans le truc des indicateurs ici, tu tapes RSI, tu cliques dessus et il te le sort en bas. Là je clique pas parce que ça va défoncer mon setup, mais t'as juste à cliquer là et puis il apparaît en bas. Puis après tu le configures, tu le montes, tu descends, tu fais ce que tu veux.
Ouais, il fait des low-warlow. Ah, on est en 5 minutes là au niveau de l'échelle donc. Donc moi j'étais pas surpris. Non, non, ça va. Ah, quoi que si, hier j'ai mangé deux pizzas que j'avais achetées à Continent. C'est genre le carrefour d'ici. Non, en fait, t'as raison. Ouais, hier j'ai mangé surgelé. Putain de merde. Ah, j'attends ma femme avec impatience, j'en peux plus là. Ça fait une semaine, en fait, j'ai fait le déménagement tout seul vu que je savais qu'il y avait une tempête en Espagne. J'avais pas du tout envie d'emmener ma famille, embarquer ma famille dans un plan galère. Donc, je suis parti tout seul avec mon beau-père. Tous les deux. Et on s'est retrouvés bloqués en Espagne. On a dû dormir sur place dans une tempête de neige, sa mère. Puis on arrive au Portugal, il m'a aidé à décharger. Je lui ai dit, écoute, repars tout de suite. Mais aide-moi même pas à ranger. Du coup, c'est le gros boxon dans la baraque. Parce que je voulais pas qu'il soit bloqué tout seul au retour. Donc comme il y avait un petit rayon de soleil, je lui ai dit, écoute, repars tout de suite et je vais me démerder. Et du coup, ouais, j'attends ma femme et mes petites là. Elles arrivent en avion dimanche. Elles arrivent en avion dimanche. Je suis bien pressé. Pour toi, Bolzik, qu'est-ce qui fait la différence entre un excellent trader et un trader tout juste rentable? Bah, t'as la psychologie qui va rentrer en compte. Et après, t'as l'expérience. Le temps, il faut. En fait, les gens qui commencent le trading, ils veulent brûler les étapes et ils pensent qu'en un an, ils vont devenir super rentables. Moi, je le dis toujours. J'ai commencé vraiment au niveau du trading en 2007, on va dire, où je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de paper trading avant de commencer. Je me rappelle plus honnêtement des dates. Hier, j'avais mon collègue avec moi, là, mon coproprio. On a parlé jusque 6, non, jusque 4 heures du mat, on a échangé. Et je lui expliquais un peu comment je m'étais mis au trading, etc. Et pendant que je lui parlais, je lui ai dit, ah bah attends, je vais regarder sur ma page LinkedIn parce que je me rappelle plus des dates. Et je me suis rendu compte que. Bah, je commence à me faire vieux hein, parce que même au niveau des dates j'étais plus accurate. Mais ouais du coup bah, j'ai été vérifier ça hier au niveau des dates pour être sûr. En gros j'ai vraiment commencé sur un compte réel en 2008 avec 300$. Et selon les dates là, que j'ai sur mon LinkedIn qui correspondent bah, quand je suis rentré chez Finotech. En gros j'ai de 2008 à 2011, on va dire en 2 ans et demi, j'ai converti un compte de 300$ à 5 000$. Donc vous allez dire, putain, mais c'est super long. Mais ouais, mais c'est le trading en fait, hein. J'avais un money management très 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 conservateur, même dans ma phase de capitalisation, parce que j'avais pas les moyens de cramer mon compte. Et ouais, j'ai mis 2 ans et demi à passer de 300$ à 5 000$, mais c'est normal en fait. Et je fais partie des chanceux, j'ai pas cramé de compte en fait. J'ai jamais eu à remettre de l'argent sur un compte de trading, donc. J'ai remis de l'argent, mais en mode je commence à avoir des résultats plus tard, donc bah sur des salaires, sur des trucs comme ça, j'ai remis des billes, mais j'ai jamais eu à remettre la main au portefeuille pour alimenter un compte, donc c'est déjà bien quoi. Tu conseilles de mettre des SL pour chaque trade ou pas? J'ai l'impression que les traders en mettent jamais au final. Honnêtement, ouais c'est vrai. Honnêtement, ce que tu dis c'est vrai. C'est pas qu'on met pas des SL tout de suite dans la position. Ça dépend ce que tu es en train de faire. Si t'es sur un intraday où t'accompagnes ta position toute la journée. Bah, mettre un SL, oui, pour protéger, mais si tu as de la marge, comme là tu vois actuellement, je suis parti en intraday tout à l'heure, je suis parti, enfin tout à l'heure, hier soir, je suis parti super bas. J'ai pris 1 050$ sur 7,5 BTC, donc je me suis créé une petite ligne de profit, même si actuellement là c'est en train de corriger. Ouais, c'est vrai que j'ai pas un SL là parce que je. Mais regardez aussi la différence, j'expose pas énormément de mon capital. Il y a 2,4 millions sur le compte. J'ai 100 000$ en position. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pourquoi j'ai pas de SL? Parce que j'en ai pas besoin en fait. Il y a aucun risque sur mon compte. J'ai pas de levier. C'est même pas genre j'utilise le full potentiel de mon compte. J'utilise 1/20 de mon capital pour trader en fait. Donc ouais, pour le coup, je suis pas dans l'obligation de mettre un SL. Mais ça veut pas dire que je conseille de trader sans SL, hein, clairement. Comment tu décomposes tes sessions? Tu gardes tes positions overnight ou pas sur le futur? Si je me suis créé une grosse ligne de profit, que juste avant de couper, juste avant d'arrêter ma session, bah je refais une last analyse pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme niveau plus bas ou comme niveau plus haut, mais surtout plus bas, parce que ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis en danger sur ma position. Si je vois qu'il y a rien qui peut me perturber, honnêtement, ouais, je peux garder une position overnight, même sur le futur, parce que j'ai pas peur. J'aime beaucoup cette
conservation, augmentation, levier en fonction des gains précédents, prise de profit en fonction de quels critères ici. Honnêtement, ça va être beaucoup sur du price action, sur skip. Enfin, c'est pas que je fais que du trading en price action, mais en fait, je vais surtout voir ce qui se passe dans la journée. Si je sens de la faiblesse, j'ai pas envie de rester sur le marché. Si je sens que le marché, en ce moment, je suis très très bull. Enfin, c'est pas que je suis très bull. Genre, j'ai pas un biais qui m'oblige à le faire. Mais il y a Grayscale qui a commencé à racheter du BTC avant-hier 2000, aujourd'hui avant-hier 2000 BTC, hier 2000 BTC. Aujourd'hui, on va le voir tout de suite. Après, je pense qu'il y a une chance qu'aujourd'hui ils achètent pas du BTC à cause de, justement, on en parlait tout à l'heure, mais du procès Tether. Si aujourd'hui je vois qu'ils laissent le marché drop un peu, je pense que bah, je vais vite sortir de position et je vais la jouer safe, quoi. Je vais pas forcément chercher à forcer si le marché il a pas envie. Je le dis, hein, je me répète, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le trader propose, le marché dispose. Si le marché me dit non, bah c'est comme avec une gonzesse. Hein. Il y a une gonzesse qui vous plaît, elle vous dit non, vous n'allez pas la violer. Hein. Vous la rangez, vous voyez ce que je veux dire, et puis vous vous cassez. Quoi. Bah, si le marché ne me donne pas, je fais pareil, je me casse. T'as fait quoi comme études? J'ai pas forcément. En fait, j'ai pas. Je suis arrivé sur un parcours autodidacte. J'ai pas fait d'études du trading. Je les ai fait plus tard. Je les ai fait beaucoup plus tard. Quand j'ai eu ma première boîte, j'ai une société d'investissement en 2011-2014. C'est à ce moment-là que j'ai passé un master. Mais avant, j'avais pas d'études du tout liées au trading. J'avais juste. C'est un deal avec mon père parce que je jouais au jeu en réseau quand j'étais jeune. Donc à 16 ans, faut savoir qu'à 16 ans, même si c'était pas grand-chose, hein, mais à 16 ans, je gagnais à peu près 600 balles par mois. Dans des compétitions, dans des LAN, hein, vous voyez, dans les jeux en réseau, je joue à Counter-Strike, je gagnais grosso merdo 600 balles par mois, j'avais un deal avec mon père, c'est, écoute papa, enfin avec mes parents, mais plutôt mon père, écoute papa, j'avais passé 6 mois aux États-Unis, je revenais des 6 mois aux États-Unis à quinzaine d'années, et je lui ai dit, je me vois pas faire des études en France, des longues études en France, j'aime pas du tout le système scolaire français. Faut savoir que je me suis retrouvé 6 mois à Tampa Bay où t'allais en cours, tu commençais super tôt, tu commençais à 7h du matin, mais j'étais sur un échange de programme scolaire sportif, et en gros il y a un joueur de football américain qui est venu dans mon lycée en France, et moi je suis parti aux États-Unis pour montrer le rugby. Et quand je me suis retrouvé aux États-Unis, en fait quand je suis revenu en France, ben, je me suis juste dit mais c'est de la merde l'école en France, enfin c'était ma conviction en tout cas à l'époque, c'est de la merde l'école en France quoi, tu commences à gratter à 8h30 du matin, tu sors à 16h30. Aux États-Unis, tu commences à 7h. Tu allais bouffer à 12h45. Et après, toute l'après-midi, c'était soit du sport, soit du temps libre dans le campus. Même si c'était que un lycée. Ça avait rien à voir avec les études françaises. Et ça m'a. En tout cas, j'ai eu un déclic. Je savais que je ferais pas des longues études en France parce que le système scolaire français ne me convenait pas du tout, quoi. Et du coup, j'ai dit avec mon père, je vais te chercher un bac pro et un BTS dans ce que tu veux, juste histoire de dire avec le CNED, cours par correspondance. Et voilà, du moment que j'ai un bac, que j'ai le BTS, tu me laisses faire ce que j'ai envie. Ça veut dire que je jouais beaucoup. On s'entraînait tous les soirs, hein, tous les soirs ou tous les deux soirs au minimum. Tous les week-ends, j'étais parti dans des tournois, dans des LAN, que ce soit dans toute la France ou dans les pays nordiques, Allemagne. Ça m'arrive d'aller en Espagne, en Italie. En Angleterre, c'était un peu le deal. Je vais vous faire les cours par correspondance, je vais vous chercher un bac et un BTS. Et derrière, vous me laissez vivoter de ma passion. Et puis voilà. Et ils m'ont pas trop fait chier, on va dire. Comment tu vois combien de BTC acheter Grayscale? Tu vas sur le site Bybit. Tu tapes bybt.com. Et là, t'as Grayscale, tu cliques et c'est remis à jour tous les soirs à minuit et quelques. Ah bah tu vois, 22h55 hier. Genre, aujourd'hui, ils en ont acheté 2600, hier, ils en avaient acheté 2200. Donc ouais, pas aujourd'hui, pardon. Avant-hier, ils en ont acheté 2200, hier, ils en ont acheté 2600. Donc ils ont l'air en plus d'en racheter un peu plus tous les jours. Pour l'instant, on va voir ce qu'ils font aujourd'hui. Ça sera intéressant de savoir ce soir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Par rapport au FUD qui serait possible sur Tether. Les femmes disent jamais non. Les femmes qui disent non. Hein. Tu jouais dans quel team? Je jouais dans le top 3 français. En gros, à mon époque, t'avais
T'avais GG qui était la team numéro 1 avec Myers, Jim 2K, Sniper, Oli Charan et Hooligan. Après, t'avais la team A avec Cabal. Team A, ça changeait souvent, donc honnêtement, ouais, moi je me rappelle de Cabal. Bah que Cabal en fait, les autres. Ouais, ici, il y avait Ronan, il y avait le gros Urdo, il y avait le Tiozo, je me rappelle plus du cinquième. Et moi, je jouais sur UG avec Bizou, Aligre, Exciter et Link. Tu sais pourquoi il décharge un peu de TH? Je sais pas pourquoi, hein, je suis pas dans les petits papiers de la boîte, mais d'un point de vue fondamental, pour moi c'est un peu normal. Et ça suit la logique que j'ai, qu'ils viennent de réouvrir au client. Ils viennent de réouvrir au client là il y a 3 jours. Ils s'attendent à repousser le marché eux-mêmes. Je te donne ma vision, hein, je dis pas que c'est ça. Hein. Ils s'attendent à repousser le marché eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand tu pousses un marché via le BTC? Bah, les autres suivent, mais ça lag. Et vous savez très bien que l'ETH, quand le BTC est très très fort, l'ETH va le suivre, mais plus lentement. Donc, ils n'ont aucun intérêt à se charger en même temps de l'ETH alors qu'il est un peu plus laggy. Ça sera plus intéressant pour eux une fois qu'on aura consolidé un vrai support, peut-être de se remettre en ETH, mais pour l'instant, ils sont pas dans l'obligation de se mettre sur le TH. Oh, il y a des petites tentatives d'incursion là. Putain, il y a le funding qui remonte alors qu'on drop. C'est ouf ça. C'est ouf. C'est quoi? C'est de la prise de profit. 13h24. Là pour le coup, c'est pas qu'on arrive sur la fin du funding et du coup ils veulent sortir pour pas le payer. Non, je pense qu'on drop vraiment. On va suivre ça. By the way, tu as un avis sur XRP? Bah XRP, c'est simple. Hein. Tout ce qui est crypto avec société américaine, pour l'instant, je touche pas. Tout ce qui est crypto avec société chinoise derrière, je touche pas. Je me contente de ce qu'on a en Europe. Je me contente uniquement des projets européens. Projets asiatiques, mais non exposés. Genre, si tu as des cryptos, genre avec des teams et des compagnies qui viennent de Corée du Sud, je suis in. Si ça vient de Singapour et Hong Kong, où c'est assez anglo-saxon dans l'état d'esprit, je suis in. Tout ce qui est chinois, japonais, bon, japonais, il n'y en a pas des masses de toute façon. Tout ce qui est chinois, j'évite à mort. Tout ce qui est américain, j'évite à mort pour l'instant. À cause de. Pour les États-Unis, c'est surtout à cause de la SEC. Vu qu'ils ont target XRP, je m'attends honnêtement à ce que le prochain, ce soit XLM. Ou TTR. Pour moi, ça sera l'un des deux, on verra. Et pour la Chine, c'est parce que ils ont souvent bullshit, les Chinois. Et genre en ce moment, on entend beaucoup beaucoup parler d'un stablecoin d'État là avec Yuan, basé sur du Yuan. Mais il faut pas oublier qu'il y a 18 mois, la Chine parlait de ban les cryptos. Donc j'ai aucune confiance en fait dans les sociétés. Regardez, Jack Ma porté disparu. J'ai aucune confiance en fait dans l'entrepreneuriat ou dans les projets crypto qui pourraient pop de la Chine. Parce que je suis pas du tout confiant, je sais très bien comment ça se passe, c'est du full parti populiste et on place des gens dans les sociétés. C'est pas des entrepreneurs hein, qui montent leur boîte, hein. C'est qu'il y a des boîtes qui se créent, on vire les mecs qui ont créé les boîtes et on fout des gens du parti populiste les mieux calés dans le domaine à la tête des boîtes. Donc j'ai aucune confiance dans ce système en fait. Ton avis sur la DeFi, mon avis sur quoi en fait? Là, les deux cryptos dont tu as parlé, Aave et SNX, on est engagé, je suis engagé à titre privé sur Aave et SNX. Et la boîte pour laquelle je bosse, je crois qu'on est engagé sur le Aave. On est engagé sur DOT énormément. Sur Weifu. On est engagé sur quoi d'autre? NIR. NIR. Qu'est-ce qu'on a d'autre en poche? Paraswap. AVAX. Je te le fais de tête hein, parce que avec deux écrans c'est un peu compliqué d'aller fouiller. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, les privacy coins aussi, tu fais bien d'en parler aussi, j'évite à mort. Tout ce qui est Monero, tous ces trucs-là, je touche pas. Je ne touche pas du tout. Bon, par contre, ça serait bien que ça pose un bottom ici là. Parce que si ça pose pas un bottom ici, on va aller beaucoup plus bas et j'ai vraiment pas envie, alors que je suis long, qu'on aille beaucoup plus bas.
Après, on pourrait aller bas, hein. On a refoulé. On a refoulé les 40K. Hein. Enfin, on a une incursion hier. Je vais vous montrer ça. 35 minutes, c'est un peu compliqué, c'est pas grave, on va des zooms. Oh! Si, si, on y était un moment. Voilà. On a une incursion jusqu'au 40002. Refus. Normal, hein. Gros seuil psychologique, zone de résistance. On revient, on touche, on rentre, incursion, deuxième refus. On essaye une troisième fois, on cale avant. Donc derrière, gros drop. Et en plus, là, on a eu un, je crois, de mémoire, qu'on a eu un reset funding. On revient assez fort après le reset funding. Je me suis laissé porter là, j'étais. J'avais shorté un peu là sur le reset funding. J'avais réussi à. Ah non, pardon. C'est pas des shorts, les flèches que vous voyez. C'était de la prise de profit d'un bail qui était beaucoup, beaucoup plus loin. Je sais plus où. Il n'y a plus les flèches. C'était de la prise de profit, ça. Je voulais sortir du marché. Derrière, on est monté. Ouais, c'est ça. On était en live hier. Je me suis fait carotte ici. Honnêtement, j'ai flippé. Quand j'ai vu le reset funding. Non, voilà. En plus, c'était. On a tenté un reset de funding, il n'a pas eu lieu. Et genre, j'ai vu le. Vous avez eu ces deux bougies là en 5 minutes. On a une petite verte qui finit en doji. Et genre la bougie suivante. Ah là ça a l'air de partir d'ailleurs. La bougie suivante. Il y a une belle rouge avec une. Je crois qu'il y avait une engulfing bearish. Et je suis sorti ici, j'ai flippé. Et derrière, bah, le marché m'a fait un contre-pied, il est bien monté. J'étais assez dégoûté. Et par contre, vous voyez là. Là on n'a même pas dépassé les 39,8. Puis après derrière on a placé des bottoms toujours plus bas. Hein. Là encore une fois. Ouais, je suis sur une position longue, mais je suis pas confiant à 200%. Mais par contre, j'ai pas envie de short le marché, quoi. Ça, je sais que pour l'instant, je m'interdis de short le marché. Tant que je suis assez convaincu sur le fait que Grayscale va acheter les moindres dips. S'ils sont dans le même move que hier et avant-hier, c'est à savoir acheter plus ou moins 2000 BTC par jour, je pense qu'ils vont eux-mêmes placer des bottoms, essayer d'acheter acheter plus bas. Après voilà, en général il faut pas lier le technique au fondamental, mais là c'est autre chose que du fondamental. Enfin Grayscale le mois de décembre c'est eux tout seuls. Hein. Pour ceux qui le comprennent pas, vous vous renseignez, vous regardez, ils ont acheté presque 70 000 BTC au mois de décembre. Le run 19K 40K, cherchez pas le coupable, hein, on l'a, on le montre et en plus il annonce publiquement ce qu'il fait. Donc mieux vaut ne pas être en USDT actuellement. Ouais, honnêtement, USDT, faut faire gaffe là, jusqu'à ce qu'on ait des news au niveau de Tether. Tu as dit MIR, non, NIR. NIR, c'est N-E-A-R. N-E-A-R. Pas NIR, N-I-R ou l'autre MIR. Non, non. NIR, N-E-R. On me posait la question sur mon avis sur la DeFi. Après, je suis pas... Les gens le savent, hein. je suis pas un gros spécialiste au niveau de DeFi, pas du tout même. C'est juste que je m'intéresse à certains projets parce que la boîte pour laquelle je bosse commence à mettre des billets un peu dans la DeFi et que j'ai des échanges avec des gens qui sont dans la DeFi et que je m'y intéresse de plus en plus, que j'ai un projet perso qui devrait apparaître sur la DeFi, donc j'ai un intérêt aussi à m'y intéresser. Mais je suis encore un puceau en DeFi, hein, donc je suis pas le meilleur. C'est pas avec moi que vous aurez une bonne oreille au niveau de la DeFi parce que je suis pas le plus expérimenté sur le sujet. Faut qu'on aille chercher loin le pressant. Ok, on est dessus. Bon, par contre, si ça. Je pense qu'on va. On va... Je vais peut-être sortir de position ici, hein. Je vais peut-être sortir ici. C'est chiant parce que vous voyez même pas ce que j'ai sur mon autre écran. Là, pour vous dire, je suis en train de check le... Et il est où d'ailleurs? Il est là. Pardon. Je suis en train de check au niveau du VPR. Je vais passer juste en 5 minutes parce que c'est un peu le bordel. Et là aussi, je guette le TH, que ça trouve, il y aura plus quelque chose à faire aujourd'hui sur le TH que le BTC. Putain, le volume profit, il est creux. Hein.
On peut aller bien plus bas, hein. On va peut-être sortir ici, hein. Ça sent pas très bon, cette histoire, hein. Ouais, je pense qu'on va sortir, on va se contenter d'essayer de choper un... on va se laisser juste ça pour play. On va sortir ici. J'aime pas cette histoire-là. J'aime pas du tout cette histoire. On va sortir. Honnêtement, là, comme je viens de sortir, j'espère qu'on va aller plus bas, histoire de. Je vais quand même tenter de rentrer longue, mais plus bas. Hein. Je vais pas attendre que ma PNL s'effrite pour essayer de rentrer plus bas. Hein. Je sors avant. Tout ce que j'ai pas envie, par contre, c'est que le marché reparte dans l'autre sens. On va attendre un peu. On va regarder les niveaux qui pourraient être intéressants au niveau rachat. Au niveau du rachat, qu'est-ce qu'il dit volume profil? Putain, le volume profil, il est creux de ouf. Oh, mon dieu. Ok, on va passer. Je fais pas... ouais, ça, du coup, je vous le dis, je vous le commente, parce que vous pouvez pas le voir. Je suis désolé, j'ai pas encore mon full setup. C'est assez dégueulasse, hein. C'est assez dégueulasse ce que je vois là. Ouais. Franchement, 37K, 37K. Ouais, c'est du psycho des 37. Il y a peut-être quelque chose ici, mais. On va voir à 37K si ça réagit. Je vais vous mettre ça. Il y a un seuil psycho, il a mis, enfin c'est un seuil psycho, on est sur un chiffre rond. Et il y a un tout petit peu de monde dans le VPR. Toute façon, je pense que je pourrais le prendre en second mouvement. C'est pas genre on va toucher, ça va remonter direct. Je pense pas à ça. Donc si on y va, je regarderai comment ça se comporte pour essayer de choper une entrée. Putain, mais Telegram il casse les couilles, il est en full bug quoi. Il m'empêche de baisser mon écran. Allez, on va le fermer, histoire réglée. Go transformer les USDT en USD. Ouais, après moi je suis sur FTX. Sur FTX en fait, l'USD que vous voyez affiché là dans la PNL, sachez que c'est un stablecoin maison. Mais un stablecoin qui n'existe pas en fait, c'est une forme d'index. C'est pour ça que je suis sur FTX, bah, je suis en full USD en fait. Je me prends pas la tête parce que. Pas besoin de convertir sur un stablecoin, hein. Tu passes en USD chez FTX, c'était sur un stablecoin, mais un stablecoin index en fait, hein. Un truc maison où tu peux pas l'envoyer ailleurs, etc. Nexo, si j'en ai à titre perso, hein. Je suis quand même pas mal chargé en Nexo perso. Je suis pas mal chargé en Nexo. Je pense que je vais faire une petite sortie à 70 centimes là. Sur Nexo, parce que j'en ai énormément, j'en ai même plus que besoin pour mon compte. Et j'avais acheté ça aux alentours des 30 et quelques centimes. Là, je pense qu'on a déjà été à 70 centimes. J'avais loupé le coche. Enfin, je voyais ça pas pouvoir partir plus haut. J'étais un peu grid dessus. On est redescendu aux alentours des 50 et quelques. Je pense que si on retourne aux 70, je vais commencer à lâcher. Que penses-tu de TH? Je vais pas sur TH. Bah, le sujet aujourd'hui, en vrai, c'est pas TH parce que si BTC drop aujourd'hui ou qu'il a du mal en tout cas à aller titiller les 40K, ETH il fera rien. Hein. ETH il va pas solo lead le market. Si BTC se montre weak aujourd'hui, ETH il sera weak. En plus, ETH sera beaucoup. Il y a le problème avec USDT là qui est en cours. On va savoir ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Tether. ETH est beaucoup plus impacté. S'il y a un problème, ETH sera beaucoup plus impacté vu que bah, le Tether utilise le réseau ERC20. C'est ETH qui sera plus impacté même que le. Comment ça s'appelle? Que le BTC. Donc. Je suis pas. En tout cas, sur du court terme, je suis pas du tout confiant pour l'ETH. RSR, tu en penses quoi? Je connais pas. Tom, les alts, honnêtement, je m'y intéresse très très peu. Je me contente vraiment des majeurs. BTC, ETH,
Après, les noms que je vous ai donnés tout à l'heure en DeFi, bah, parce que j'ai une petite poche dessus. Mais je connais pas forcément les projets, mais on va dire que bah, dans la boîte, je travaille pour un fonds. Donc, dans le fonds avec lequel je bosse, il y a un très bon, quelqu'un qui est très fort sur le côté fondamental des projets. Et du coup, je sais que quand, entre guillemets, je peux me permettre de suivre ses calls sans forcément comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Après, qu'est-ce que je serais capable d'acheter? Je serais capable d'acheter du XTZ, même si j'en ai pas actuellement. Enfin, j'en ai plus plutôt. Je serais capable d'acheter quoi d'autre? Bah pas grand chose en fait hein. BTC, ETH, ok, XTZ, je suis cap. Ouais, c'est tout presque hein. Honnêtement. Je suis pas trop alt hein. Team Japer, 250K, Bitcoin 2000. Ouais, enfin, déjà moi je trust sur le fait qu'on peut aller à 100K d'ici la fin de l'année, même si je pense qu'on aura une correction en cours d'année. Cours 2021, on aura une belle correction. On en a déjà une, hein, alors 20, 27, 28%. Je pense qu'on en aura une autre dans l'année, au minimum, voire deux. Mais déjà une première target à 47, 50K, c'est déjà bien. Et si on arrive à installer ce prix, le 68K sera, 68, 69K sera compliqué à aller chercher. Mais s'il passe, ouais, on finit l'année à 100K. Hein. Polkadot, ouais, Polkadot, j'en ai. C'est quoi le souci avec l'USDT si vous pouvez le souci avec l'USDT. En gros, ça fait plus de 2 ans que l'USDT est emmerdé avec l'AG de New York. L'AG de New York, c'est le procureur. Non, c'est le. L'attorney. Ouais, c'est l'avocat général, on va dire, ou procureur. Je pense que l'équivalent en France, c'est procureur de New York. Qui a ciblé Tether il y a plusieurs mois. Et on devrait avoir un compte rendu. Je sais plus si c'est un compte. Alors, je sais plus si c'est un compte rendu de l'audience préliminaire ou les résultats d'un premier procès en première instance qui sont attendus aujourd'hui. Ok, je vois malgré la alt-saison après. Honnêtement, moi, je fais pas partie. Je fais pas partie. La musique, elle est pas forte parce que moi, je l'ai super fort dans le casque là. Dites-moi s'il faut que je la baisse. Je fais pas partie des gens qui sont forcément en mode. On est obligé d'avoir une alt season si le BTC se comporte bien. Et je fais même partie des gens qui sont plutôt dans le délire que l'alt season, on l'a eu en 2017 pour une raison qui est assez simple en fait, c'est qu'il y avait la plupart des alts étaient en versus BTC, ok? Il y avait très peu d'alts qui étaient contre du fiat ou contre du stablecoin. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce fameux dans cette parité où il n'y a que l'alt contre le BTC, on est dans une triangulaire en fait où les alts sont aussi, ont leur propre valeur face à l'USD ou face au stablecoin. Et du coup, l'alt season ne serait pas obligatoire parce qu'il n'y a aucun intérêt, enfin il y a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui à des mecs qui sont full capitalisés comme à l'époque de ne pas sortir du marché. Ça veut dire de ne pas full TP sur le BTC pour sortir fiat ou semi-fiat. Semi-fiat, c'est stablecoin, hein, c'est que j'ai la flemme de le dire à chaque fois. En sachant que avant, pour TP leur BTC plutôt que d'encaisser du fiat à cause de la législation, du fait qu'ils flippaient et tout, ils partaient sur des délires où ils allaient partir plus facilement sur des alts. En gros, c'est comme s'ils faisaient un TP partiel sur le BTC et qu'ils se permettaient d'aller pousser les alts. Et ben, avec la fameuse triangulaire qui arrivait, avec pratiquement tous les alts aujourd'hui ont une parité en fiat ou semi-fiat. Bah, ils n'ont pas obligation, quand ils vont TP sur le BTC, de partir sur un fiat. Alors qu'à l'époque, bah, c'était un peu ton point de sortie pour rentrer dans les alts et continuer à pousser le marché sur des paires qui étaient un peu liquides. Tu as entendu Christine Lagarde sur la crypto? Ouais, mais tu sais, c'est là. Écoute, elle peut pas dire autre chose. Elle est patronne du Fonds monétaire international. Elle peut pas se permettre de laisser un truc. Dis-toi qu'il y a des gens, il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'on pourrait adosser des monnaies d'État sur du Bitcoin. Déjà, elle perdrait son travail, elle aurait plus aucun rôle, elle aurait plus aucune utilité. Donc, je pense même pas que c'est que Christine Lagarde, c'est que le FMI n'aura jamais
n'y a jamais personne de la famille qui pourra se permettre de chill le BTC en fait. C'est pas du tout dans l'intérêt de la maison. C'est juste normal hein, qu'elle soit critique. Comme je te dirais que c'est normal que la SEC soit critique, comme je te dirais que c'est normal que l'AMF soit critique, même si dernière, enfin, on sait que quelqu'un va le prochain qui va être placé au niveau de la SEC est plutôt open mind sur la crypto en général. D'ailleurs, c'est surprenant. Je vois mal l'AMF en France. De toute façon, l'AMF le fera jamais. Hein. L'AMF, c'est vraiment très très protocolaire, limite sectaire, honnêtement. C'est limite un lobby. Hein. Je vais jusque-là. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été accrédité. Ouais, non, je vois pas. De toute façon, l'AMF en France, la SEC aux États-Unis serait capable d'aller contre l'État, contre le pays, contre l'étatique. Mais l'AMF en France ne serait pas cap. Et quand tu vois que le discours dernièrement de Bruno Le Maire, c'est full terrorisme, full blanchiment d'argent, l'AMF n'ira jamais contre ces discours. T'as des fonds d'investissement qui ont une obligation d'être exposés full crypto. Tu penses qu'ils vont préférer TP stablecoin plutôt que de... Bah, Maxence, moi par exemple, tu vois, on est full crypto. Bah notre TP ça va être du fiat. On va pas aller sur des alts parce que au contraire, ce genre de fonds d'investissement, dis-toi qu'on a des poches, on a le droit de mettre, je te donne un exemple, on va mettre 50-60% sur BTC, 15-20% sur le TH et le reste sur du mid cap alt, le tu vois allez, je sais pas 10%, on est à 50-60-20, allez, on va dire 80. Il reste 20%. On va avoir 15% sur du middle cap alt et on va avoir 5% à jouer sur des gros paris risqués sur du low cap. Mais quand on TP sur BTC, bah on va pas prendre les thunes qu'on a TP sur BTC pour les mettre dans les autres poches parce que sinon on diversifie pas le risque, on s'expose encore plus. Donc on va rester fiat le temps d'attendre une correction, rentrer sur le marché, ce genre de truc. On peut laisser nos fonds USDT ou Vomu Switch, honnêtement. Ça te coûte quoi de faire un switch pour la jouer safe jusqu'à la fin du week-end? Moi, je sais que je l'ai fait à titre perso. Hein, la boîte pour laquelle je bosse, on l'a fait aussi. On a aucune. Enfin, si, j'ai. Pardon, j'ai 1$ d'exposition USDT. Ah, mais Transborder, ça, je sais. Je fais partie des privilégiés qui peuvent communiquer avec lui, vu que je bosse sur FTX et que je suis market maker chez eux. Mais ça, c'est de la politique, hein, les 5 millions de dollars qui ont été donnés. Et c'est pas le top 5, il est top 2 donateur, mais c'était un move très très politique. Et il a bien joué son coup. Il a bien joué son coup. Mais je pense pas que ça soit juste le fait que SBF est... Et a filé les 5 millions qu'on a choisi. Je pense que c'était déjà joué en avance. Et Biden, il a très très peu parlé de la crypto. Mais les fois où il en a parlé, c'était pas vilain, on va dire. Donc, il fait pas partie des haters. Voilà, on va plutôt dire ça. Il est pas dans le love, mais il fait pas partie des haters. Bon, bah, je crois qu'on est sorti ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Je l'ai dit. Hein. Je sors, je vais me faire arnaquer. Bah. Ça a l'air d'être bien parti pour. On va voir. Je vais attendre un peu. Niveau indicateur, j'ai rien qui se met en place là de spécial en plus pour l'instant. Je vais même switch au niveau de la time frame. Tac, tac. On va switch sur d'une minute. Ici, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Par contre, j'ai voilà. Là maintenant, j'ai pas envie de voir qu'on réintègre les 38K sans moi. On va check. J'aimerais bien qu'on range un peu en bas là, et si je vois qu'à un moment on range sur la borne haute pour casser les 38K, je rentrerai ici. Vous voyez ce que je veux dire? On a été jusque 37K2 au minimum. Pour moi, c'est les 38K qu'il faut réintégrer pour pouvoir repartir un peu plus haut. Donc, ouais, je vais vous le tracer, je fais mon feignant là en fait quand même. Je fais mon feignant. Surtout que déjà vous voyez pas tous les écrans, donc... Allez, on va dire que si on commence à aller dans un truc comme ça... Si à un moment je vois qu'on commence à avoir du mal à... Allez, on arrive ici, ça tape, ça redescend. Et à un moment, on commence à accumuler plus haut. Là, on prendra un trade pour break les 38K et voir si on retourne plus haut.
Le TH, qu'est-ce qu'il fait? Le TH se comporte pas mal. Ouais. 1220. Qu'est-ce que tu penses des projets FR? Bah, donne-moi des noms de projets FR sur lesquels je les connais pas tous, mais on va dire que j'en connais pas mal. Il y en a même pour lesquels je bosse en sneaky. Donc si t'as des noms, je te dirai ce que j'en pense, si j'ai un avis dessus. Après, si j'ai pas d'avis ou si je connais pas, tu sais, je suis pas. C'est pas que je fais de la langue de bois, mais je fais partie de la team. Quand tu sais pas, tu fermes ta gueule. Donc si je sais pas, bah, je la fermerai ou je te dirai que je connais pas. Et si je connais un petit peu, même si je connais un petit peu, je te donnerai mon avis, mais en te disant attention, par contre, je connais pas trop quoi. J'aime pas me mouiller. C'est pas que j'aime pas mouiller, c'est que j'aime pas être critique envers des projets que je connais pas, envers une team que je connais pas. Comme j'aime pas chill des projets que je connais pas ou des teams que je connais pas quoi. Si j'ai déjà une relation avec eux, un échange au moins, tu vois, je peux donner mon avis si je connais pas. Tu sais à quelle heure est l'annonce des. Je l'aurai par quelqu'un qui est dans l'équipe pour laquelle je. Enfin, dans le fond pour lequel je bosse, je pense. Mais pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas de news de ce côté-là. Je vais relancer Telegram d'ailleurs, parce qu'il a juste pété un plomb tout à l'heure. J'ai pas de news de ce côté, donc je pense pas que ça sera tout de suite. Je réponds aux traders financiers là sur notre groupe Telegram, ça me pose des questions techniques. Ton script sur Terrain View ne t'aide pas de signal. Non, pour l'instant j'ai que dalle. Que dalle, que dalle. IEXEC pour l'instant je connais pas. Arc, ça me parle, mais je connais pas plus que ça. Kleros, pareil. Tu m'as aucun des projets que tu m'as donné, je connais. En projet français, j'en connais. En gros, je veux pas en connaître beaucoup non plus, mais je veux en connaître trois principalement. Enfin, en tout cas trois avec lesquels j'ai déjà échangé avec les équipes. Dune, qui, de toute façon, non, je peux pas en parler, c'est pas encore officiel. Il y avait la crypto Telegram qui est reprise par une gouvernance française. Le projet est relancé là dernièrement. Il y a Idena et comme quelqu'un vient de le dire dans le chat, FDR. Mais FDR, je peux pas trop en parler parce que je suis mouillé dans le projet. Donc un jour, je pense que je ferai un live où j'expliquerai le projet. Surtout que là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir prochainement. Mais là, j'en parle pas. Enfin, je vais pas en parler pendant mes sessions de trading. Je veux pas te filer un truc dans lequel je suis impliqué. Je trouve ça. Je suis pas neutre en fait. Donc, je pense qu'un jour, oui, je ferai un live où j'expliquerai que je fais un live pour expliquer le projet FDR et ce qui arrive au niveau de la DeFi, au niveau des FDR. Mais je vais pas en parler. Je vais pas en parler dans une session de trading comme ça, quoi. Le TPBTC, alors je t'explique Thomas, nous, à titre privé, c'est différent. Mais la boîte pour laquelle je bosse, c'est vraiment des très très lourds au niveau français. Tu vois, enfin, vous savez, j'ai pas le droit de donner de nom, etc. Mais c'est vraiment du très très lourd. Et là, en gros, je sais très bien hein, que pour l'instant, on joue avec des miettes. Donc on sait qu'il y a beaucoup de cash, beaucoup plus de cash qui va arriver. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que ces mecs-là sont déjà très très bien capitalisés dans notre domaine, dans les circuits financiers traditionnels, dans plein de choses. Et qu'ils ont aucune envie qu'on TP pour rester fiat.
Donc tu vois, quand on TP, c'est que nous, techniquement, on décide de TP temporairement, mais ces gens-là veulent une expo crypto tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a l'obligation d'être tout le temps en crypto, en fait. Donc on prend du TP très très rapide. En gros, ça va être des coups, je te donne une idée, mais on va sortir à 40K pour rentrer à 38K. Parce que si on loupe le coche et que le truc repart sans nous, on va se faire insulter derrière. Ces mecs-là veulent être full crypto, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais même plus loin que ça, c'est quand on prend des thunes en futur, là, comme là, tu vois, j'ai 3 000 $ de PNL en futur. Bah, si sur le compte de la boîte, j'avais 50 000 $ de PNL en futur, il faut que je prenne mes bénéfices des USD et que je les convertisse en crypto tout de suite. Parce qu'ils en ont rien à foutre du fiat, clairement. Et je pense que c'est aussi un truc qui change le game, c'est qu'il y ait des gens qui sont pas mal classés au Forbes France, tu vois, qui eux-mêmes aujourd'hui disent. On veut être exposé full crypto, je trouve ça encore inimaginable il y a 6 mois en fait. Et du coup, je trouve que c'est pas mal pour la crypto qui est même de gros comme ça qui commence à dire non, non, nous on n'en a rien à foutre de faire de la thune que vous nous présentiez en fin d'année un bilan comptable sur une PNL en dollars. Cumulez nous le plus de BTC et de ETH possible, le reste on s'en fout. En France quoi, enfin, pour moi c'est surprenant, très surprenant. Salut, plus ça. Bon, on va se rouler une clope, ça se recalme un peu là. On va regarder là ce petit rectangle que je vous ai tracé là. Petite, ce serait bien une petite accumulation là, pour péter les 38K et se casser par le haut. Ou sinon qu'ils viennent me chercher plus bas. Je m'en fous, là je suis plus trop. Là je suis hors de position pour l'instant. Donc, enfin, j'ai 0,01 BTC, c'est pas ce qui va. 376 $ sur 2 millions 4. Hein, on va pas claquer des genoux, vous voyez ce que je veux dire. Ah mais... Attendez une seconde, il faut que j'écrive parce que les gens comprennent. Hein. Ah ouais, il y en a, ils étaient mal réveillés ce matin là. Je suis désolé, j'étais en train de répondre. Bah, vous savez, j'ai un projet communautaire où on finance des futurs traders, on espère. Et alors, on leur explique justement qu'on est full collatéral, blablabla, on veut être full BTC, qu'on calcule les drawdowns et les profits uniquement sur ce qu'ils font en dollars. Et les mecs, bah, ils sont inquiets parce qu'ils voient que le BTC entre hier il est passé de 40K à 30, allez, 37K 5. Et ils pensaient que on allait les virer parce que. Mais non, en fait, nous, on juge des résultats de trading, pas un collatéral qui drop tout seul.
Qu'est-ce qu'il m'explique? J'essaie de comprendre. Bah oui. Derrière. C'est combien qu'il a? Putain, je suis obligé de faire de la compta pendant que... Voilà, 0,025. De toute façon, c'est calme, c'est l'heure de bouffer. Ah, ok. Il est 14h. Je crois que mon PC, il est à l'heure française. Ouais, il est 14h en France, les gars. Toute façon, juste à regarder mon téléphone. Ouais, il est 13h ici, donc il est 14h en France. Ouais, c'est normal que ce soit un peu plus calme. C'est l'heure de bouffer. Puis on a l'OpenUS dans 1 heure. Heures, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça devrait commencer à bouger un peu. J'espère, sinon on va se faire chier. Et j'ai pas envie de faire le même. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Laissez-moi tranquille, LinkedIn. Hop, hop, et hop. Mute. C'est mute ou pas ça? Votre silence, oui, voilà, la paix. Alors, j'ai loupé plein de questions, ça me fascine, il y a des gens si importants financièrement dans le monde, ils ont l'air si inaccessibles. Attends, ça me fascine qu'il y ait des gens si importants financièrement dans le monde, ils ont l'air si inaccessibles. J'ai pas compris avec XS le raisonnement que tu voulais dire, communiquer dans ton message. C'est sûrement de leur faute que le BTC a perdu de la valeur. Ça aussi, j'ai pas compris. Comment devenir un trader financier sur WeTrade? C'est assez simple. En fait, vous rejoignez le Discord WeTrade. Il y a un petit fichier à télécharger dans le général. Vous le remplissez. Il y a quelques questions. C'est des questions vraiment bêtes. C'est pas qu'on refuse les débutants, mais c'est des questions bêtes. C'est juste pour vérifier que vous n'avez pas un profil d'un dindon qui va venir pour suivre des calls de gens qui partagent des choses. C'est tout. Donc il y a juste à répondre dans le vrai, en fait, et pas être bête. Et vous êtes accepté dans la communauté avec un système de vote, c'est les membres qui acceptent les nouveaux membres. Et une fois que vous êtes membre, vous pouvez partager vos analyses. Et quand vous partagez vos analyses, les traders qui sont déjà financés, plus moi, on se réunit tous les mois et c'est plus eux que moi. Moi, en gros, je donne mon mot final. Mais ils vont choisir entre une à trois personnes. Ça va dépendre des mois, ça va dépendre de ce qu'on a vu, de la participation, etc. Pour les rejoindre, en fait. Vu qu'on doit monter une équipe de pratiquement, je pense qu'on montera une équipe de 30 en fait. Bah là, tu vois, ils sont 16. Donc il y a encore 14 places. Il y a encore 14 places. Et puis c'est pareil. Il y a 30 places au total, mais il y a un moment, il y en a qui échoueront. Puisqu'il y a, il y a des règles de money management, hein, bien sûr. Et ils seront amenés à être remplacés. Donc ouais, je pense que la communauté, elle va vivoter encore pendant quelques années. Yobelty, dis-moi, est-ce que c'est normal que les fake traders
Le trône et Cryptofanta ont une soi-disant école et fait payer à leur commu un abo mensuel pour les écoles alors qu'ils n'ont pas d'accréditation MF. Non, c'est pas. Un, c'est pas légal. Deux, je pense qu'ils le font parce que. Parce qu'ils ont au moins une personne dans leur équipe qui est à l'étranger et que c'est certainement des boîtes qui sont à l'étranger ou alors il n'y a même pas de boîte du tout et puis ils se font payer en crypto. Et trois, l'AMF, pour ceux qui sont français, même s'ils sont à l'étranger, si en tout cas la majorité de leur clientèle est française, l'AMF va taper fort cette année, donc il y en a beaucoup qui vont avoir des problèmes cette année. Donc t'inquiète pas pour les gens qui font ça, même si c'est illégal, il y a l'AMF qui va s'en occuper très prochainement. Commences-tu à regarder de loin pour le moment le marché des NFT? Ouais, bah hier j'ai failli acheter mon premier... Hier, j'ai failli acheter mon premier NFT, un truc qui était en rapport avec, avec le FDR. J'étais sur la page du mec et honnêtement, s'il n'y avait pas 40 balles de fiches, en fait, je voulais acheter un truc qui coûtait 40 l'équivalent de 40$, mais j'en avais pour 40$ de fiches et je me suis dit, même si j'ai un peu de thunes, bon, donner 80$ de fiches, 40$ de fiches pour un truc que tu achètes 40$, ça fait un peu beaucoup. Donc, je le ferai plus tard. Mais j'allais le faire hier. J'allais acheter mon premier NFT, la ferme du mineur, je crois que c'est le mec qui a fait ça. Avec un petit logo FDR que je trouve bien sympa. Hello, petite question. Est-ce que je dois déclarer aux impôts si j'envoie des BTC à quelqu'un à l'étranger? C'est un peu plus complexe que ça, en fait. Ça dépend déjà où est-ce que tu l'envoies. Ça dépend du lien, est-ce qu'il y a un lien familial ou pas. Et honnêtement, je suis pas juriste ni fiscaliste, donc... Moi, je l'ai jamais fait à titre perso, j'ai jamais donné de la crypto gratuitement à quelqu'un sans qu'il y ait un intérêt financier derrière ou commercial avec un contrat ou ce genre de choses. Je suis incapable de te répondre. Et même un fiscaliste, il aura du mal à te répondre en plus. Le Link a beaucoup de volatilité. Ouais, mais le Link, il y a eu 2-3 trucs qui l'ont chill là dernièrement, non? Il n'y a pas eu 2-3 trucs en mode il y a des trucs qui vont utiliser Link et ça avait l'air d'être des infos importantes. J'ai cru voir ça passer hier ou avant-hier. Je trouve ça ouf que ça soit impuni. Non, mais t'inquiète. C'est juste que l'autorité des marchés financiers. En plus, sache qu'il vient d'y avoir, le premier accord. Il vient d'y avoir le premier accord entre l'AMF et les brigades financières, les brigades de police, pour agir encore plus vite. Donc, t'inquiète pas que ce. Et ça fait plus de 6 mois que je dis à tout le monde attention, niveau crypto, niveau conseil en investissement, niveau formation, niveau chaîne YouTube et tout. Ça va être de plus en plus regardé, ça va te taper de plus en plus fort, et on me prend pour un idiot depuis des mois. Bon, bah, je t'avoue que j'ai déjà vu des chaînes se faire fermer, là, déjà. Donc, je me suis permis, tous ces petits rigolos, je me suis permis de leur mettre un petit DM parce qu'ils s'étaient foutus de ma gueule à l'époque. En privé, bien sûr, elle n'avait pas fait publiquement. Ça m'a pas mal fait bander. Et là, il y a deux, trois chaînes, dont au moins une que t'as cité là plus haut et que je nommerai pas. Qui je sais qui va se faire target et je m'attends à ce que ça aille loin. Mais c'est normal en fait. Ils ont pas à le faire en fait. Ils sont pas compétents en la matière pour le faire. Ils ont pas de certification professionnelle pour le faire. Ils grattent de l'argent et même en plus pour il y a un projet où il y a même eu de l'arnaque avec des projets qui ont été chill qui étaient de la dope complète. Donc ils ont juste pas le droit de faire ça. WeTrade, on le trouve où? Demande dans le chat, il y a quelqu'un, tu verras, les gens qui me suivent un peu sur... quand je lance un petit... même si je suis pas un YouTuber, hein, quand je lance un petit live, en général, ce sont des gens qui me connaissent un peu, et si tu demandes, il y a quelqu'un qui va te mettre le lien. Malaisie à mon père. Si c'est à ton père, Julien, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de problème, tu ne devrais pas t'emmerder. Même si un jour, tu as un contrôle, ouais, les gars, j'ai envoyé 0.10 BTC à mon père, il y a où le problème, quoi. On va pas te foutre en taule pour ça, honnêtement. Je suis en train de faire ma candidature pour WeTrade, mais quand on a un taf en place déjà assez bon dans une boîte, c'est assez contraignant, compliqué. Ouais, mais tu sais, la majorité des gens qui ont rejoint le projet WeTrade sont soit des étudiants, soit des gens qui travaillent, hein, c'est pas des chômeurs qui sont à la maison à rien faire. Donc, c'est de l'organisation, mais ça se fait. Ah, attendez, ça frappe chez moi. 2 secondes.
L'AMF à la porte, est-ce qu'on en parlait? Non, non, t'inquiète. Non, c'est le collègue qui est venu fumer une cigarette. Enfin, il avait oublié ses. Hier, on a parlé jusqu'à 3h du matin de crypto, BTC et tout. Et il a oublié ses écouteurs. Donc, il est venu les chercher, puis on va fumer une cigarette ensemble. Je suis en train de. Ok, ça, j'ai lu. Il y a un white paper, WeTrade. Non, non. JD. Si, je peux te montrer ça. Comment je peux te montrer ça? Je vais pas te montrer. On n'a pas de white paper, de trucs bien établis, mais je vais. En gros, on a un modèle financier, etc. à suivre, des modèles de drawdown, d'objectifs, etc. Grosso modo, l'idée c'est ça, c'est qu'un trader qui est financé, il commence avec un petit compte de 1000$, il a droit à 10% de drawdown, c'est-à-dire que sur 1000$, il a le droit de perdre 100$, s'il perd 100$, il est kick out, il a plus de nouvelles chances, il sort. 10 000$, c'est pareil, il peut perdre 1000$, 10%, il sort. Et après, petit à petit, bah, bien sûr, on baisse le drawdown parce qu'il commence à y avoir plus de fonds, donc ça passe de 10, 8, 5, 4, ça finit à 3, 3% de random. Et au niveau des objectifs, on n'est plus sur des objectifs trimestriels, mais on a mis un objectif mensuel pour ceux qui. On est en mode fast tracking là. Le but c'est de financer très très fort et très très vite les traders. Donc s'ils obtiennent l'objectif mensuel, hop, on les fait sauter un palier. En fait, qu'ils passent le mensuel ou le trimestriel, mais automatiquement en général quand tu. Enfin, le mec s'il fait 1,49, 1,49 et 1,55 et qu'il passe, il a juste pas eu de chance, mais t'as plus de chances de passer par objectif mensuel. Et tu vois, les objectifs mensuels, pareil, ils évoluent petit à petit. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as le même drawdown que l'objectif trimestriel. En gros, enfin, que l'objectif mensuel, mais reporté sur le trimestriel, ça revient au même. Tu as 3% de drawdown pour aller chercher 9% par trimestre, donc 3% par mois. Et pareil, l'objectif, il est assez simple, hein, l'objectif mensuel, 1,50, 75, 2, 2,25, 2,25, 2,25, 2,50, 2,50, 3, 3. Et même la ligne de profit, hein, on n'a rien à cacher. Au début, les mecs, bah, on leur donne plus. Hein, quand tu fais 1000$, que tu atteins l'objectif, ça fait 5,25$. Tu vois, avant d'avoir 500 000, t'en vis pas, quoi. Il n'y a que quand tu es au palier 6, avec 500 000, tu arrives à te générer 3 375$. Et puis après, bah, plus ça monte, plus c'est intéressant. Sauf que ce palier, le palier 7, pour l'atteindre, ça veut. Ah merde! C'est-à-dire que même si tu as les résultats jusqu'au palier 7, tu pourras jamais financer plus que le palier 7 si tu viens pas travailler. On est en train de monter un gros trading desk. L'idée, c'est de monter un gros trading desk à Lisbonne. Après le palier 7, tu es obligé de venir travailler sur place. Si tu viens pas sur place à Lisbonne, tu peux pas aller plus haut que le palier 7. Après, s'il y a trop d'argent, tu passes de 750 000 dollars à 1 million, 2 millions 5, 5 millions. Jamais on va donner à un mec 5 millions, il trade de chez lui, et si le mec il pète un plomb, vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est juste pas possible. Enfin, on respecte une certaine logique aussi, quoi. On n'est pas fou. Je viens de t'envoyer le Discord. Ah, merci AXS. Le link tout proche de son ATH. Le link déjà son ATH? Ok. Vous avez pas vu ce que je viens de montrer là? Si. Si, vous l'avez vu ce que je vous ai montré, vous l'avez pas vu? Qu'a pas fait pour la garniture, j'avais peur de pas être passé à côté. Attends, passé à côté à cause du. Non, non, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Le but, c'est surtout ça, c'est d'accompagner les gens jusqu'à un certain moment, pour ceux qui peuvent, hein, qui vont performer. Et à un moment, c'est carrément pouvoir se raccrocher à WeTrade parce que ça suffit en fait, qu'il n'y a plus besoin de travailler à côté. Et je pense même qu'il y en a qui décideront de bloquer un certain palier pour cumuler les deux. Merci Gun pour l'explication sur les NFT. Bah, hier justement, mon collègue là à côté de moi, j'allais acheter le petit NFT là avec le logo de FDR parce que je le trouve bien bien sympa. Je vais vous le montrer. Et quand j'ai voulu l'acheter, je vous ai dit 40 $ pour l'acheter et 40 $ de frais avec le réseau Ethereum. Je fais ah ouais, bah, ça fait chier quoi. C'était un peu. Bah, je trouve que c'est cher les frais de réseau Ethereum en ce moment. Je vais vous montrer. Je vais le montrer parce que bah, de toute façon c'est sur la. Je crois que c'est la ferme du ménage. Là. Je vais vous montrer ça, je l'avais trouvé bien bien sympa pour ceux qui connaissent pas les NFT d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Hein. Après moi, bon, bah, je vais prendre ce qui m'intéressait, c'est d'acheter celui qui était lié à mon projet, bien sûr. Enfin, à mon projet, au projet auquel je participe parce que c'est pas le mien. Il y a celui-là, c'était celui-là, je crois que je voulais prendre, ou c'était celui d'en bas. Il y en a un deuxième. Non, c'était celui-là que je trouve qui pète quoi. Et j'allais le prendre, et quand j'ai voulu le prendre, d'ailleurs on va regarder, ça se trouve c'est plus le cas. Si je connecte toilette, ouais non, il y a des infos perso, ça fait chier.
Et quand j'ai voulu le prendre, ben genre ouais pour un achat à 40$, je me retrouve avec 40$ de frais, ça m'a fait chier. C'est ouvert à ceux qui traitent des marchés classiques mais qui veulent tenter. Yanis, tu peux tenter de rejoindre le projet. Le problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on travaille que avec FTX. Après FTX, il y a des stocks. Je pense qu'il y aura des indices, etc. dans le futur. Mais le souci qu'on a, faut bien comprendre, c'est que les traders financiers de WeTrade, ils travaillent pour la boîte avec laquelle je travaille aussi. Donc c'est un projet commun que j'ai avec eux. Et le souci qu'il y a, c'est que les clients de ce fonds veulent une exposition crypto permanente. Ça veut dire que il faudra attendre que FTX, même s'ils ont l'air d'être en train de le faire, que FTX mette des indices. Ou des stocks avec des contrats perpétuels, je crois qu'il y en a là actuellement, pour pouvoir trader. Parce que tu n'auras pas le droit de vendre des BTC pour acheter des dollars, pour acheter des actions. L'exposition collatérale, on est obligé de la garder en BTC. C'est une demande des clients en fait. On peut pas faire autrement. Mais ça t'empêche pas de tenter ta chance et d'attendre l'opportunité. Si nous, les gens, ils votent pour toi parce que tu fais des AT les gens, ils. Il y a des gens déjà qui ont rejoint le projet WeTrade qui étaient full Forex ou full indice à la base et que les autres membres ont jugé qu'ils étaient compétents et les ont quand même acceptés. Et c'est soit, là c'est le cas de deux, ils ont fait la transition et ils se sont mis à trader la crypto. Ou soit il y en a, là je crois qu'ils sont pratiquement tous mis à trader la crypto. Sinon après il faut attendre un peu que FTX mette les choses en place. Mais je sais que FTX a prévu de lancer le marché des indices en contrat perpétuel, etc. De toute façon. Putain, vous posez trop de questions, ça va trop vite. Oui, on a vu. Ouais, vous l'avez vu l'affiche avec les paliers, ok d'accord. Obligé de faire du trading classique pour atteindre les paliers ou faire du yield farming, bénéf sur les funding et tout, ça marche. Non, non, en fait, tout ce qui est accessible depuis la plateforme qu'on utilise, donc FTX, tu peux le faire. Donc si tu fais de l'arbitrage, il y a du funding, etc., ça passe. Mais tu es obligé de tout faire depuis FTX. Je sais qu'on va avoir un autre partenaire, on va travailler avec un autre échange prochainement, ça devrait être UOB. Mais pour l'instant, on se contente de FTX. Donc tout ce que tu pourrais faire via FTX, ça passe. Donc m'écrire un rapport pour expliquer ta stratégie, ce que tu comptes faire, me présenter des résultats que tu as déjà fait. Faut savoir que il y a deux façons de rentrer chez WeTrade. Il y a un via les votes et il y a deux ce qu'on appelle un track record ou un truc un peu plus poussé où vous vous présentez et où là c'est nous qui prenons une décision de onboarder des gens parce qu'on trouve que leur stratégie ou qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. C'est pas une obligation les gars de passer via les votes de la communauté. Vous pouvez le faire aussi via un track record ou via un onboarding parce qu'on vous trouve intéressant. Je comprends pas trop l'intérêt pour les traders par rapport à s'ils bossaient avec leur argent. Bah Furibond, est-ce que tu penses que tous les traders au monde peuvent un jeune, tu vois, un jeune qui sort d'études, est-ce que tu penses que si il met un an ou un an et demi à passer toutes les étapes pour passer de 1 000 $ à 1 million de dollars, est-ce que tu crois qu'il a forcément 1 million de dollars sur son compte à trader pour se faire sortir 6 000 $ par mois? Non, ils n'ont pas forcément. Donc en fait, ça leur permet aussi au lieu de. Je te donne mon exemple. Quand moi j'ai commencé, j'ai mis 2 ans et demi à capitaliser, à transformer 300$ en 5 000$. Tu vois ce que je veux dire? La phase de capitalisation est très très longue. Là en fait, le mec, il saute automatiquement toute la phase de capitalisation. En fait, il tape un palier, qu'il le fasse en 1 mois ou 3 mois, boum, il monte 10 000. Il tape, boum, 25 000, boum, 100 000, 200 000, 500 000. C'est autre chose au niveau de la capitalisation. Tu vas beaucoup plus vite. Après, c'est pas la même manière de faire et de voir les choses. N'importe lequel des deux. Je remonte au niveau des questions. Putain, mais il y a trop de questions.
Ça, j'ai répondu. Un outil à conseiller pour suivre son portfolio. Non, Jackie, enfin, demande dans le chat. Je pense que le chat pourra te répondre. Moi, j'utilise. On a des outils, on a des tools perso, tu vois, mais c'est pas des tools publics. C'est vraiment du perso. Je travaille avec un dev depuis longtemps, donc tu vois, je peux dire si j'ai besoin d'outils, je lui demande. Sur objectif mensuel, on passe les paliers. Bah, vous passez les paliers, que ce soit de l'objectif mensuel ou trimestriel, faut pas trop se poser de questions. C'est que dès que tu touches un des deux objectifs, boum, tu passes au palier supérieur dans tous les cas. C'est automatique. Je comprends pas trop l'intérêt. Ok, ça j'avais lu. French Digital Reserve, le projet. Ouais, mais ça, je ferai un live pour expliquer. Là, quand je suis en train de trader ou de tenter de trader, parce que là, vous avez beaucoup trop de questions. Puis de toute façon, là, le marché, il me donne pas trop ce que j'ai envie. Je ferai un live pour expliquer ce projet. J'ai pas envie d'en parler dans mes streams live parce que ça fait genre. Je suis tout le temps en train de vendre le projet. C'est pas mon but, en fait. Je donnerai du temps pour faire ça au moment venu. Pour WeTrade, il y a la formation, etc. C'est juste notre matière de training. Il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide. Je sais qu'une partie des traders financiers de WeTrade ont même un groupe privé où ils communiquent entre eux. Mais après, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire ou de t'accepter. Tu vois, ça c'est. Après, nous, on n'est pas. Nous, on n'est pas formés. En fait, moi, j'ai plus un rôle. Là, je vais l'avoir encore plus avec le fait qu'on passe plus sur un statut pro que simple communauté. Où je vais avoir un rôle de coaching, de motiver les troupes, d'expliquer des choses, de partager mon expérience. Mais je suis pas là pour former les gens non plus, quoi. J'ai autre chose à faire, hein, de ma vie. Hein. Je trade, hein, donc je suis pas un formateur. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier de trader? Qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier de trader? C'est la liberté. Si demain j'ai envie d'aller au Japon pendant 6 mois, bah, je peux travailler du Japon. Si j'ai envie de partir en Australie pendant 1 an avec ma famille pour les études, pour une de mes. Là, je suis parti au Portugal par exemple. Mon voisin, le collègue, bah, ses enfants, ils parlent anglais, portugais. Bah, je sais que je reste ici 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Bah, quand je partirai d'ici, mes filles, elles parleront sûrement anglais et portugais. Donc, bah, c'est la liberté. Et ce que j'aime le moins en trading, bah, c'est que tu dors 4 heures par nuit. Genre hier, j'ai dormi 4 heures, quoi. Enfin, ça dépend des journées. Hello my friend. Ah, salut Tisma. Salut Tisma. J'espère que t'es pas parti, parce que bah, avec toutes les questions que j'ai eues, j'ai mis du temps à te répondre. Tiens, Tisma, pendant qu'il est là, s'il est encore là. Tiens, Tisma, d'ailleurs, je m'étais permis de faire un live où j'avais montré. Ah non, c'était sur Discord, c'était sur un Discord, c'était pas sur YouTube. Mais je m'étais permis de faire un live où j'avais montré votre indicateur. D'ailleurs, j'avais donné un peu d'infos aux gens, leur expliqué de qui savent, d'où est-ce que ça sortait, etc. Je t'avoue, j'avais oublié de te demander si t'étais OK avec ça. Donc, si t'es encore dans le chat, bah, n'hésite pas à me répondre, il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où on explique d'où ça vient, etc. etc. Je m'étais permis de le faire là, il y a quelques jours. Donc, j'aimerais bien avoir ton retour, parce que j'ai oublié de te DM pour te poser la question. Merci d'être passé, faire un coucou. En soi, je gagne déjà de l'argent sur un 10 US, mais j'ai bien envie de tenter de passer sur crypto par curiosité. Ouais, de toute façon, bah, au niveau des indices, je pense que FTX y viendra. Hein. FTX, je pense que s'il y a une plateforme qui va avancer plus vite que les autres cette année, c'est FTX. Donc, si tu es sur les indices, n'hésite pas, parce qu'honnêtement, soit tu es dans l'analyse technique et tu pourrais switch sur de la crypto si tu étais accueilli dans la communauté des traders financiers. Le temps qu'il y ait les outils que tu puisses exploiter, tu vois. Et surtout, il n'y a pas de deadline, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous rejoint, qui est financé chez nous, c'est pas genre, il passe pas les paliers, on le vire. C'est genre, il se faille, on le vire. Mais s'il met 2 ans pour passer les paliers, on s'en fout, il nous immobilise un peu d'argent, mais ça nous traumatise pas, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas trop grave. Oui, je vois, mais à long terme, une fois qu'ils ont formé un certain capital, ils n'ont plus trop d'intérêt à rester, si. Bah, c'est toujours du capital en plus et des sous en plus. Après, c'est clair que moi, si demain, entre guillemets, j'ai envie de prendre ma retraite et d'arrêter de travailler pour des fonds et travailler que pour moi, bah, je peux le faire. Mais regarde, aujourd'hui, je pourrais le faire, je pense, et je le fais pas. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Poursuivre vos actifs, vous avez bloqué. Ok, ça c'est un bon tout à l'heure. FTX a son coin pour réduire les frais aussi. Ouais, il y a le FTT qui te permet de payer moins cher les frais. Mais après, là tu parles à titre privé. Mais nous, bah, les traders financiers qui sont rentrés chez nous, bah, ils payent pas de frais. Les mecs, ils sont payés pour trader en fait. Ils bénéficient de nos maker fees en fait. Du coup, bah, ils sont dans des conditions exceptionnelles. Hein. Ils ont les mêmes conditions que nous à titre pro en fait.
Putain, j'arrive pas à le choper tellement les petits bordel. Et du coup, ils payent pas de frais, ils se mettent bien. Ils sont payés 0,01% par trade. Donc, ils payent plus pour trader, ils sont payés pour trader. Comme nous. Et t'as aussi le coin, le FTT, il sert à réduire les fees. Il sert aussi pour les gens qui font du referral à toucher plus d'argent. Et il se porte bien là, je l'ai vu passer de 4$ à 10$. Je vais vous montrer. C'est celui-là. Il est passé de 4$ à 10$. Là, je crois qu'il baisse un peu. Oh, bah il est bien remonté d'ailleurs. Ok. Regardez. Ça, c'est le token de FTX. Putain, c'était encore plus vieux que ça. Ok. On va aller en M30, ça sera plus simple. Il se porte plutôt bien en ce moment. Je vous avoue, j'en ai un peu beaucoup à titre perso. Allez, l'impulsion haussière, on va dire qu'elle se trouve ici. 4,40, 4,50, 4,80. 4,80 à 10$ entre le 27 décembre et là, en une quinzaine de jours. 15-20 jours. Après, attention, là, vous avez vu, là, il y a une belle correction. Mais bon, il y a des histoires de buyback et tout. Donc, si vous vous intéressez au FTT, je sais que ça en parle beaucoup sur le Discord de Black Flamingo. Si vous connaissez pas Discord Black Flamingo, il doit y avoir des gens qui sont dessus, là, qui sont dans le chat. Demandez un lien, on vous enverra ça. C'est le Discord de... Il y a Matisse, il y a Seima dessus, il y a l'horloger. Et il y a beaucoup de gens qui s'échangent des petits tips, du trading. Je sais que ça parle pas mal du FCT en ce moment là-bas. Salut Bolzy, la question a sûrement déjà été posée. Tu t'es formé comment? Par des études classiques? Non, je crois qu'un jour je vais vous faire une sorte de petite biographie pour expliquer mon parcours et tout, ça ira plus vite, comme ça chaque fois qu'il y aura cette question, boum, je pourrais vous la mettre dans le chat. Mais j'ai un parcours autodidacte, j'ai une formation après dans le... Enfin, pas dans le trading, mais j'ai un master en finance, mais que j'ai eu beaucoup plus tard. Parce que quand j'ai eu ma société, j'étais avec un associé, on s'est séparés, et c'est lui qui avait l'accréditation MF, etc. Donc j'ai dû passer ce master pour garder la compagnie, la société. Mais avant d'avoir la société, j'avais aucune formation, j'avais pas de cursus classique dans le financier. J'avais juste passé un bac et un BTS, mais qui n'était même pas lié au trading en fait. C'était du BTS commerce international, donc rien à voir avec le trading. Mon meilleur investissement 2020, le FTT. Je t'avoue que je suis pas mal dessus, hein, titre perso. Je suis pas mal dessus. Toi, tu vois la boîte, on en a juste pris un peu. On avait vite pris un peu pour réduire les fees. Moi, titre perso, j'en ai beaucoup là sur le compte FTX où je vous avais sorti une affiliation pour que vous ayez aussi les 5% de réduction de frais là. Il faut que je regarde, j'ai entendu parler du 10%, mais je crois que c'est toi qui m'en parles depuis quelques jours du 10%. Faut que je pose la question à FTX, comment ça se passe, s'il faut que j'augmente, s'il faut que je stack mes FTT ou si c'est autre chose. Parce que je vois qu'il y a des mecs qui ont qui vous permettent de bénéficier de 10%, donc j'aimerais bien faire step up mon compte pour ceux qui... Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes une cinquantaine à avoir follow mon compte FTX à l'époque, mais j'aimerais bien vous faire bénéficier du 10%, donc je vais poser la question à FTX. Quelqu'un peut partager le Discord Backflame? Ouais, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, ceux qui l'ont. Je pense qu'il y en a là qui sont là, qui l'ont. On va repasser sur le BTC, parce que j'aimerais bien rentrer en trade, en fait, quand même. On va se mettre en une minute. Ah, ça a enlevé mon... Ça a enlevé le rectangle. Il est un peu plus haut, je vais le refaire vite fait. On avait dit qu'on voulait voir un truc s'installer comme ça. Avec le fait qu'on est tapé dedans. Et à un moment qu'on commence à accumuler vers le haut là pour péter et aller plus haut. Mais je crois... Ouais, après je vous dis, ça se trouve il accepte pas les liens, hein. Je vais vous le mettre moi-même. Peut-être que c'est YouTube qui accepte pas les liens. Je vous mets ça ici. Tac, tac. Tac, tac. Limiter, générer un nouveau lien. Copier. Je vais vous le mettre moi-même. Connectez-vous. Ouais, ok. Je suis déjà connecté en fait sur YouTube. Tu vas arrêter de me faire chier.
Yo, le chat, il est là. Je vous mets ça là. Ouais, je sais, on m'a dit pour Link, mais bah comme je suis, j'ai envie de trade le BT. Je peux pas switch. J'ai pas encore fini mon déménagement, j'ai pas tout mon setup. Genre j'ai mon écran à gauche, tu vois, je peux montrer que ça. Mon écran à droite, c'est pour suivre le chat et mes analyses. J'ai pas mes quatre écrans devant moi, donc je peux pas aller voir. Je peux pas me permettre d'aller voir Link là. Si je vais voir Link, il faut que je switch, ça me fait chier, ça va m'enlever mes trucs. La semaine prochaine, je pourrais vous faire tout ça en live. Là, je peux. Là, je suis en mode. Je suis en mode j'attends ma femme, j'en ai marre. Pour ranger et finir le déménagement. Pourquoi j'ai 90 000 trucs ouverts là? Alors déjà que c'est le bordel. Alors YouTube, vous êtes... Ok, ça m'a enlevé la chaîne, super. Voilà. Hop, on va couper le son. Ok, en fait vous étiez déjà là, c'est juste que j'avais deux YouTube d'ouvert. Oh là là. Vous voyez le bordel avec deux écrans? C'est la merde. Voilà. C'est Hervé aussi, hein, qui se porte bien. Ah, Link, ouais, il est en forme, mais il y a mieux. C'est Hervé, je crois qu'on en a au niveau de la boîte. Sushi, je sais qu'on en a. Uni, je crois qu'on en a, je suis pas sûr. Ave, on en a. GRT, je crois qu'on en a. Attendez. Parce qu'il y a deux trucs. Ouais, je crois qu'on en a, je suis pas sûr. KNC, il me semble qu'on en a. SNX, je crois aussi qu'on a une petite poche. Si on fait ça, ça moi. Ah voilà. Ouais, BTC qui est pas en forme hein, aujourd'hui là, pour l'instant. On va voir. Après, il a calé 3 fois à 40k aussi hier. Hein, donc. Depuis quelques semaines, je me suis trouvé une passion pour la crypto. Je suis encore un débutant, mais tu penses que c'est possible de jouer des traders financiers avec le groupe, tant que le groupe ça... Bah ça, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous et ce que vous partagez. Et si les gens vous. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est les autres traders financiers qui votent. Donc c'est. C'est eux qui ont la décision en fait. Ça dépend de vous, ça dépend pas de moi. Tu gères comment les montées comme celle de SCRV, car pour savoir pour quand sortir c'est chaud. Pulsar, je suis pas beaucoup. Moi je gère pas les alts à titre privé, j'en ai un petit peu mais pas beaucoup. Et je t'avoue que je garde sur du. J'attends que mon collègue qui bosse dans la boîte avec moi, qui est plus axé fondamental et du coup sur les alts, me dise de sortir et je sors. Mais niveau technique, je ne les suis même pas, je regarde même pas ce qui se passe. Là, j'ai regardé pour vous faire plaisir ce qui se passait aujourd'hui, mais je le fais même pas à titre perso en fait. J'attends qu'on. Comme quoi, il a des bons calls en général, il fait entre x2 et x5 en un an sur les altes dans lesquelles il rentre, donc il a plutôt des bons calls. Pour le côté pédagogie, apprentissage des nouveaux, il n'y a pas vraiment d'ambition interne. C'est adossé à zone 9 ou autre. J'ai pas compris de quoi tu parles. Tu parles de WeTrade, tu parles de se former soi-même. J'ai pas compris dans quel sens tu as dit cette phrase de JD. Ouais, pas envie aujourd'hui, j'ai l'impression.
payer ça. Ton avis sur le BTC, il a l'air de former un double top, non? Après, il faudrait regarder sur une autre unité de temps. Mais c'est chiant, ça m'enlève mes trucs. Écoute, pour moi, le double top, il a été ici. Après, on a eu une forme de reset de funding, on a été très très bas. Je sais pas, pour moi, il faut attendre... J'aimerais pas qu'on retourne au 35K pour router cette zone de supply qu'il y a eu là. Tu vois, j'estime qu'à 37K, à 37K, on pourrait avoir un peu de réponse. Après, j'ai peur un peu des news qu'il y a aujourd'hui sur le Tether et tout, qui pourrait donner un faux signal en fait. Selon les, il y a peut-être des gens qui fêtent un peu sur le fait qu'on attend des news de Tether aujourd'hui. Je sais pas. Pour moi, le truc le plus important à voir, c'est que Grayscale, avant-hier, ils ont acheté 2200 BTC. Hier, ils en ont acheté 2600. Et pour moi, c'est autosuffisant. Si Grayscale rentre sur le marché, il le pousse tout seul. Je suis impatient d'avoir le résultat de ce soir, voir si eux-mêmes ont pris des précautions avec ce qu'on attend de Tether aujourd'hui, au niveau du procès. Je suis attentiste. J'ai pas envie d'envoyer les gens dans le mur. Pour l'instant, je me contente d'observer le marché. Je suis sorti de position. J'ai plus de capitaux engagés. J'attends de voir ce qui se passe. Je suis un peu dans le flou aussi. Hein. Honnêtement, je suis un peu dans le flou. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Mais j'ai pas envie de prendre la décision avant que ça soit digéré par les gros, en fait. Étonnant qu'ils ont vendu 6K de TH. Non, parce que... Grayscale, quand même, leur premier objectif, c'est d'être pas mal engagé en Bitcoin. Et si tu regardes, ils avaient quand même 4 milliards de... Enfin, pour l'équivalent, il y a quelques jours, de 4 milliards de TH. Pas loin. Pour moi, c'est legit qui TP sur un truc qui a... Enfin, il a pris 20% dans une journée, là, il y a quelques temps. Donc, je pense qu'ils ont TP sur la fin de la journée. C'est normal. Et si le TA, ils peuvent pas pousser tous les marchés, Grayscale non plus, ils doivent se concentrer sur un marché. Pour moi, s'ils doivent pousser un marché, c'est le BTC, et c'est aux autres de faire le taf. Si le TH est censé être fort, ça sera aux autres de pousser le TH, pour, même s'il lag un peu, mais pour qu'ils suivent le BTC. C'est pas à eux de faire le job partout non plus. Hein. Regardez, ils ont dû arrêter d'accepter les clients fin décembre, parce qu'ils en avaient marre de pousser le marché eux-mêmes. Hein. La lecture, elle est aussi simple que ça. Donc, pour moi, c'est normal qu'ils se concentrent plus sur le BTC qu'autre chose. Après, ils reprennent des LTC, mais bah, c'est une poche de merde. Ils ont même pas 200 millions. BCA, j'en parle même pas. Ils ont lâché des ETC, c'est normal. Hein, même logique, tu lâches des ETC, c'est logique que tu lâches des ETC, quoi, au niveau de l'exposition. Après, attention à ces stats, à son fossé, là. Je sais qu'ils sont en train de sortir du XRP. Je m'attends à ce qu'ils sortent du XLM aussi. Parce que pour moi, si XRP se fait défoncer par la SEC aux États-Unis, derrière, c'est les deux plus gros, les deux sociétés les plus exposées à une décision de la SEC, c'est le Tether et XLM juste derrière. Je dis pas que ça va être le cas, hein, mais pour moi, ça serait ça. Bon, là je suis dans le ventre mou, je suis dans le ventre mou, c'est soit on va accumuler ici, soit j'achète ce pseudo support hein, qui est plus un seuil psychologique qu'autre chose, mais là entre les deux j'ai rien envie de faire, parce qu'en plus le VPR, pour ceux qui ont un trading du à côté, le VPR si vous regardez ici c'est vachement creux,
On est un peu dans un ventre mou, donc après, si on revient accumuler ici, je suis un peu plus confiant pour qu'on remonte un peu parce que vous êtes dans un ventre mou, ça drop pas. Le trading, c'est aussi savoir attendre. Il faut attendre. Et moi, ça me dérange pas de montrer quoi, des fois, il faut attendre. C'est au contraire. Si je faisais des vidéos et qu'en fait je lançais un live pour vous montrer des trucs que j'avais fait juste pour alimenter du contenu sur ma petite chaîne YouTube, alors que déjà moi je me prends pas pour un YouTuber, bah ça serait un peu pas vous montrer les trucs à côté. Et quand on est en train d'attendre et qu'on se fait chier, il faut aussi montrer que même entre guillemets quand t'es pro, que tu bosses pour un fond, etc., bah t'as des périodes où t'es obligé d'attendre, hein. C'est pas toi qui décides le marché, c'est le marché qui décide pour toi, donc tu checks ce qui se passe, t'es attentiste, t'observes. Faut pas juste montrer que le bon côté des choses en trading, faut aussi montrer que des fois on se fait chier, que des fois on s'emmerde, que des fois on se prend des bourdes. Je l'ai montré, hein, moi ce mois-ci, en début de mois, bon, j'étais en période de déménagement, etc. Mais c'est où? PNL. PNL. En début de mois, je me suis pris une belle casquette, hein, en début de mois, regardez. J'étais en train de déménager, je suis parti vers le 8-9, donc j'étais en train de préparer mon déménagement. J'ai tradé alors que j'aurais pas dû. Bah, je me prends en moins 2000, moins 3000, moins 200 balles, plus 2000, moins 500. Bon, là j'étais. Ouais. Jusqu'à ce que je déménage là. Je suis parti le 8 janvier, dans le week-end du 8 au 10. Voilà, le 10, j'étais chez moi au Portugal. Et là, à partir de là, j'ai vraiment pu trader. Donc là, j'ai récupéré mes pertes latentes. Là, je me reprends une casquette et puis le lendemain, ça y est, j'étais parti. Mais. Ça me dérange pas de montrer des résultats comme ça, hein, où je me prends aussi des bourdes. Il faut montrer. Je trouve même plus intéressant de montrer quand tu te trompes, quand tu fais des erreurs. Il y a un enseignement à en tirer en fait. Alors que quand tout va bien, bah, les gens vont rien apprendre d'exceptionnel, hein. Si, voilà, t'as pris le trade ici, t'es sorti ici, super. Mais montrer quand ça se passe mal, comment tu gères tes émotions, comment tu recovers, comment tu. Ça, c'est important aussi. Est-ce que WeTrade a pour objectif d'enseigner aux novices comment arriver à un bénéfice ou bien seulement d'aider ceux qui tiennent déjà ces objectifs et les financer? On n'est pas la communauté la plus. Comment dire ça? On n'est pas la communauté qui participe. On n'a pas une communauté très très participative. Les gens qui participent sont des gens qui ont un intérêt à nous rejoindre en tant que trader financier. Et le projet a été monté comme ça. Mon but, c'est pas d'avoir un Discord où je dois passer ma journée à répondre à des questions. Ça, je le fais en live. Je préfère le faire en vocal. Ça va plus vite d'expliquer les choses que d'écrire pendant longtemps des textes. Et il y a d'autres communautés qui le font très bien. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec tout le monde. Nous, au niveau de WeTrade, c'est parce que les gens, ils savent très bien qu'on n'est pas concurrentiel. On est sur un autre secteur. On s'entend bien avec la baleine. On s'entend bien avec Black Flamingo. Enfin, je m'entends bien avec tous ces Discords parce qu'on n'est pas du tout sur le même terrain de jeu, en fait. Et il y a des Discords plus pour apprendre, comme la baleine, comme Black Flamingo. Et il y a des Discords plus pour essayer de passer d'un niveau amateur à un niveau intermédiaire, on va dire. Intermédiaire pro, voire pro plus tard. Nous, on est plus sur les mecs qui arrivent chez nous, ont un peu plus de bagages ou ils tentent un coup. C'est des gens qui ont un parcours autodidacte, ils tentent un coup pour rejoindre un truc où ils savent qu'il y a une opportunité de même devenir pro. Honnêtement, ça s'adresse moins aux novices, mais après, on laisse quand même la chance aux novices. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive chez nous, qui prend le petit questionnaire en général, le remplit et qu'on voit qu'il est dans le même mindset que nous, on lui donne sa chance. Après, ça ne veut pas dire qu'il va forcément rejoindre les traders financiers. C'est les autres traders financiers qui votent. Et c'est eux qui auront la décision finale. De toute façon, vous pouvez demander aux traders financiers qui le sont, hein, sur notre Discord. C'est pas Bolzi qui impose tel ou tel parce que c'est du copinage, parce que si ça. Non, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident par rapport à ce qu'ils voient, ce qui leur plaît. Et le but, c'est d'avoir un état d'esprit très très collectif. Ok, il y a de la concurrence entre traders, mais nous, dans notre état d'esprit, la concurrence, on s'en fiche un peu. Le but, c'est de. Il y a un système de paliers. Au bout d'un moment, les gens vont se retrouver bloqués sur les paliers. S'ils n'aident pas les autres. Il n'y aura pas d'évolution au sein de la boîte, etc. Donc il y a aussi un enjeu à ce que ça fonctionne pour tout le monde. On sait très bien que quand on va monter à 30 traders, au final, il y a. Et même si on. Putain, rendez-vous compte, hein, c'est qu'un hedge fund aujourd'hui, il n'embauche pas un trader. Un hedge fund ou un fonds d'investissement, il embauche un analyste technique. Les analystes techniques sont voués à devenir des traders si ils ont des bonnes analyses, si quand ils. Ce qu'on appelle supply un trader, si quand ils font du supply un trader, ça se passe bien, au bout d'un moment, on leur donne leur chance.
un hedge fund qui va embaucher un analyste. En fait, un hedge fund, pour transformer un trader, il va embaucher environ 15 analystes techniques. Ok? Ça veut dire qu'il y a un mec sur 15 qui franchit la barrière. On est sur un projet de monter une équipe de 30 pour en faire devenir 10, à peu près 10 professionnels. Mais on sait très bien qu'il y en a 20 qui vont pas réussir ou qui vont stagner ou qui vont mettre beaucoup de temps. Et on sait même qu'il y en a qui vont échouer, qu'il faudra les remplacer. Mais si on arrive sur un tiers de transformation sur les gens qu'on onboard, bah on aura déjà un meilleur résultat que les hedge funds professionnels en fait. Ça serait énorme, ça serait énorme. Il me dit en M5. Attends, je passe sur l'autre. Il est là. Non, c'est pas ça. M5. Ouais. Elle est pas très belle pour moi. Non, moi je la considère pas. Ah, attends. Pardon. J'étais en train de switch sur les terres en fait. Ouais, vient d'y en avoir une là. Ouais, celle-là, elle était legit. T'en as une en M5, effectivement, ici là. RSI. Mais. Il y a une mèche quand même qui gêne, hein. Ouais. Je la trouve pas si belle que ça en fait. Bon, on est rentré dans ce petit triangle. Ce petit rectangle. Est-ce qu'on va ranger dedans? Est-ce qu'on va le réintégrer? Ou est-ce qu'on part au 37K? Parce que là, perso, j'attends que ça. Là, j'ai pas envie de trader ici. Je veux pas acheter ce bas de pseudo-range qui n'est pas encore là de toute façon. Ici, j'ai rien à faire dans toute cette zone là. On a un volume profil qui est creux. J'ai rien à faire ici. Bon, on va voir ce qui se passe ici. Attends, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une petite pause là, 2 minutes. Le temps de voir ce qui se passe là. Je vais aller me chercher. Je vais aller me chercher du bois. J'aime bien entendre crépiter la cheminée. Puis il fera un peu plus chaud là. Il fait 14-15 dehors là. Et... La clim pourtant elle est à 21. Ouais, je cherche un peu de bois.
Oh, désolé. Je vais juste mettre un peu de bois dans la cheminée, on va lancer ça. Je me suis fait alpaguer par la femme de mon collègue Daniel, hein, Daniel. Qui me demandait quand est-ce que ma femme arrivait et tout. Vu qu'elle sait que je suis tout seul. Et j'ai un peu de mal à la comprendre parce que j'ai pas un super portugais encore. Et elle est brésilienne, donc ils ont un accent qui chante. Les brésiliens par rapport au portugais. J'ai encore un peu de mal à la comprendre quand on me parle en fait. Est-ce que j'ai assez de bois là? On va se le faire. Je kiffe avoir une cheminée quoi. J'avais pas de cheminée chez moi là quand j'étais en France. Et là depuis que j'en ai une ici, bah je préfère même couper. J'ai une pompe à chaleur. Je préfère couper là, juste l'odeur du bois en fait, je kiffe. On va allumer celle-là aussi. Bon, j'espère juste que c'est pas en train de partir sans moi. Je vais jeter un œil quand même. Qu'est-ce que ça dit? Ok. C'est calme, ça va. J'ai la cheminée plus un. Comment on appelle ça? Vous savez, un poêle là. Et franchement, c'est bien kiffant. Hop, foutre le bois dans l'autre. Si le BTC nous envoyait plus haut là, tain, un jour on pourrait même alimenter nos cheminées avec des billets peut-être. Ils le font au Venezuela en ce moment, tellement ça vaut plus rien. Alors, comment je mets ça, hein? Bon, par contre, je suis pas encore un gros spécialiste de l'allumage de cheminée. Il y a des Suisses là, j'ai vu tout à l'heure. Je suis sûr que vous savez bien allumer les cheminées. Il fait froid chez vous. Hop, ça là, là. On va mettre encore un allume-feu ici. Ça devrait le faire. Hop, et après on ira allumer l'autre. Allez! Voilà, plus qu'à allumer l'autre. Par contre, ouais, depuis tout à l'heure que j'ai lancé avec vous là le live, j'ai pas eu une seule alerte au niveau de mon setup. Donc c'est que le marché, il a pas de. Je suis quand même sur la détection de volatilité de. Enfin, sur ma stratégie perso, je suis sur de la détection de volatilité et de marché assez directionnel. Et du coup, bah, dans mon setup, ça me dit que. On est encore sur une période d'hésitation, grosso merdo. Mais pas sur un marché qui a pris une décision claire. Normal, hein. On vient de refouler. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vient de refouler plusieurs fois les 40K. 2-3 fois, là, hier ou avant-hier. Hier. Donc, pour l'instant, le marché, il est hésitant. Hein. Logique. Oh là là, ce petit feu de cheminée. Le kiff. Manque plus qu'une petite musique puis la femme, la fourrure devant la cheminée, enfin vous savez le comment on appelle ça là, fourrure d'animal, les filles gardées par les voisins et il part en couille un peu le bolzil, hein. Une semaine il a plus sa femme, il part en sucette. Il en a marre de manger des pizzas surgelées. Allez, c'est good. Ah, par contre, si je ferme pas le poêle, ça va pas le faire. Good.
Et là, je reviens devant l'écran et c'est parti sans moi. Oh putain, ouais, c'est. On va se faire chier jusqu'à l'Open US, là, j'ai l'impression. On va se faire chier jusqu'à l'Open US. Où est-ce que je pourrais trouver une explication détaillée des traders financiers? Alors, il y avait ce site web, mais il est un peu vieux en fait. Il est un peu vieux. Et je l'ai pas mis à jour, honnêtement. Tu tapes bolzi.fr. Mais tu peux regarder ce que j'ai expliqué, grosso merdo, même si ça a beaucoup changé, on n'est plus sur les mêmes paliers et tout. Mais t'as à peu près l'état d'esprit, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'a pas les mêmes partenaires. On devait monter le trading desk à Dubaï, il se fera à Lisbonne, au Portugal. Ça a été modifié en cours de route. Après, est-ce que tu as du détail? On explique qu'il n'y a rien à payer. Je dois me déplacer. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, en vrai. Il est obsolète. Mais j'essaierai de faire un truc là quand je serai dans mon bureau là-haut, là, parce que j'ai une pièce où je me suis fait. J'ai 20 mètres carrés pour faire mon bureau. Quand ma femme sera rentrée ce week-end, la semaine prochaine, je vais m'organiser pour bien me faire mon bureau et je pourrai plus facilement vous faire enfin, mettre des choses, bosser sur des trucs. Pour l'instant, c'est un peu le bordel. Bah après le BTC pour le BTC la time frame 1 heure je la regarde pas. Je m'étais amusé à faire à faire des statistiques et le sur 38 000 sur 38 500 ou 38 600 trades live que j'ai fait où je faisais de la détection de patterns, de probabilités, taux de réussite sur des triangles, sur des épaules tête épaule, sur tous les patterns que tu as traditionnels, tu vois. La H1, la time frame H1 en crypto, c'est celle où on triche le plus. Et je pense que c'est celle où on essaye le plus de piéger le retail en fait. Parce qu'au niveau des taux de proba, genre t'as plus de pertinence dans les patterns en M30 et en H4. Bah après, c'est normal, H4 daily, plus tu montes en time frame, plus ils sont pertinents et c'est en toute logique. Par contre, tu vois, le H1, il est même moins. Les taux de probabilité que j'ai eu étaient même moins pertinents que les M30, M15. Donc je pense que c'est une time frame qui est très très piégeuse en crypto. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de la skip. Parce que si vous évitez cette time frame en crypto, vous avez moins de chances de vous faire rouler dessus. Est-ce que tu penses que le CME pour l'ETH va faire pareil que sur BTC, c'est-à-dire le début du crash de 2018? Tu sais, le crash de 2018, c'est pas lié au CME. Hein. C'est pas lié au CME. C'est que, en gros, t'avais tout ce qui était Powerbank, là, tu vois. Du JP Morgan, Goldman Sachs, qui avaient annoncé qu'ils étaient rentrés sur le Bitcoin entre 800 et 1200 dollars. Et fallait bien se douter, c'est qu'à un moment, ils allaient faire de très grosses prises de profit. Hein. Donc, je pense pas que c'est lié au CME, honnêtement, pour 2018. C'est plus lié au fait qu'on avait fait un x20, pratiquement. Donc, à un moment, tu vois, quand tu fais un x20, c'est compliqué de continuer d'aller plus haut. Hein, donc. Et après, on a rentré ce marché dans une phase de dépression, mais honnêtement, je suis pas convaincu que ce soit lié au CME. Ok, j'ai appliqué une analyse que j'ai fait sur un 10, mais c'est bon ça. Ouais, c'est bon à savoir. Honnêtement, en H1, on est sur. T'es sur la time frame la plus piégeuse en crypto. En tout cas pour les majeurs, parce que les 38 500 ou 38 600 trades. Tiens, je vais vous le mettre vite à l'écran pour ceux que ça intéresse. Ça a été fait sur uniquement sur BTC ETH. C'était que des trades sur BTC ETH. Je vais vous les mettre. Stats crypto, elles sont là. Et c'est une analyse assez complète que j'ai vue parce que je me suis même fait chier. Je vais vous montrer. Je me suis même fait chier à expliquer comment je prenais les trades, etc. Je vais vous montrer. Tu vois, je m'étais fait chier alors à expliquer aux gens. Bah, t'attends tes 3 points de contact en haut, t'attends tes 3 points de contact en bas, tu vas sur un risk reward 1 sur 1 par rapport à ton entrée. D'ailleurs, là, j'ai pas un risk reward sur 1 sur 1 au niveau du dessin, mais l'idée c'est d'avoir un. Je pense parce que je pouvais pas aller plus bas quand j'ai fait ça. Le point d'entrée, bah, quand tu sors du. Là, c'est un falling wedge, quand tu sors, que tu pull back, au pull back, contact, tu rentres, TP, stop loss. Et j'ai pris tous les patterns comme ça, et c'est des stats sur ouais, 38 583 trades en live, sur un live account. Et regarde le H1. Le H1, t'es quand même sur du très très piégeux. Du très très piégeux sur. Après, t'es sur du très très piégeux sur des trucs
qui n'ont pas des grosses probabilités de base. Genre Falling Wedge, Rising Wedge, même si tu vois par contre en daily un Rising, bah, tu as 93%. Falling, tu as 64% seulement. Mais pour moi, c'est un peu normal. T'es sur un marché qui ressemble beaucoup au marché des indices. Hein. Les marchés crypto, ils ont tendance à s'autoporter un peu facilement et à monter assez facilement. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que d'autres marchés traditionnels. Et ça, vous l'avez sur le Discord de WeTrade, hein, les probabilités, quel time frame, si c'est un marché bull, bear. Le seul truc qui m'a manqué, et je vous avoue que j'ai eu la flemme de le refaire après, c'est que quand j'ai fini de classer toute cette data et toutes ces stats, je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre à côté des pourcentages. C'était un pourcentage sur combien de trades? Parce que là, tu le vois, il y en a eu 1713 pour 1063 qui ont réussi. Mais combien il y en a eu en M15, en M30, en H1? J'avais oublié de faire ça et j'ai toujours eu la flemme de recommencer à le faire. J'ai mis 5 jours à classer toute cette data. J'ai jamais eu la motive de le refaire. Et je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais tout fait, que j'avais oublié ça. Et c'est chiant parce que du coup, il manque la moitié de l'information. Mais bon, il y a quand même de l'information, mais il en manque quand même pas mal, quoi. Ouais, après Yanis, je suis un peu du même avis que toi, que pour l'instant on est sur un fail des 40K. Mais, vu que les mecs dans la crypto ont tendance à jamais trop baisser, je parle plus du retail hein, que des instits ou des gros, vu que les mecs dans la crypto, le retail a tendance à jamais baisser les bras trop vite, je pense qu'on pourrait avoir une zone d'accueil plutôt que de drop, bêtement. Et assez fortement. Je pense qu'on pourrait avoir une zone d'accumulation entre 37K5 et 40K. Et du coup faire partir un petit peu temporairement. Attention, je parle pas d'une alt season. Hein, calmez-vous vous tous. Parce que là, je vois déjà le chat partir en sucette sur ça. Mais je pense qu'on pourrait avoir des prémices. Ça pourrait profiter aux alts pendant cette période d'accumulation sous les 40K. Ouais, bah là je t'avoue que j'ai fait avec les moyens du bord, donc je suis avec un allume-feu, tu sais, tout ce qu'il y a tout traditionnel, là, le truc qui pue le pétrole. Tiens, d'ailleurs, le poêle, du coup, il s'est pas lancé. Ah putain! Ah si! Enfin, si. Si, mais bof quoi. On va essayer de mettre. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? On va l'alimenter parce qu'il va se couper ce con. Par contre, leur truc de pétrole, leur petits allume-feu là, ça pue le pétrole quoi, c'est horrible. Je vais mettre un gant, sinon je pue l'essence toute la journée. Il a pas pris ce con. Il a pas pris. C'est ma femme qui gère ça normalement. Pas l'habitude. Laisse un peu ouvert. Bon, ça a tenté de réintégrer ces petits rectangles là, ça vous donne quoi? C'est hésitant, hein? C'est hésitant de ouf. On n'est pas sur un marché. On est sur un marché qui est dans l'indécision, hein, ça se voit. Même au niveau des volumes, ça bataille dans les deux sens. Non, Alex, on m'a posé cette question tout à l'heure pour l'instant. Je sais que j'aurai l'information assez tôt parce que j'ai quelqu'un dans l'équipe pro de mon taf qui creuse sur le sujet, mais pour l'instant j'ai pas eu plus d'infos que ça à titre perso.
Et là, j'ai été voir, non, j'ai pas de news pour l'instant. Pas de news, pas de news. J'espère juste qu'on va pas se faire chier toute la journée. Ouais, je pense pas. Je pense qu'au moins quand on aura une info au niveau de ce qui se passe au niveau de Tether, ça... c'est peut-être pour ça aussi que le marché est attentiste et qu'il se passe pas grand-chose là, les gars. Ça peut être lié à ça aussi, hein. C'est que y a quelque chose qui est attendu aujourd'hui. Ça pourrait s'exciter un peu sur l'Open US, mais je pense que ça se... tant qu'on n'aura pas d'infos, ça se calmera très vite derrière. Hein. Ça me semble logique aussi, hein. Les gens, ils ont pas envie de s'engager un peu trop tôt sur le sujet. On va attendre en fait qu'il y ait des infos, hein. Un peu normal, hein. Ça se passe souvent comme ça quand on attend des réponses sur des sujets aussi importants, que le marché il se calme, qu'il se passe pas grand-chose. Et ça s'est fermé. Mais c'est chiant quand on nous en attendant se fait chier. Peut-être essayer d'aller passer sur le Tether, hein, si, sur Tether, sur l'Ether. Tether et Ether, c'est pas la même chose. S'il se passe pas grand chose sur le BTC. Tether, qu'est-ce qu'il donne? Ça devrait bouger un peu plus, je pense. Bref. Ah, c'est pas fou non plus, hein. C'est pas foufou non plus. Enfin, on a été habitué à tellement de volatilité dernièrement en fait que. En fait, on est sur des marchés. Avant. On est sur des marchés BTC qui étaient aux alentours des 10-15K quoi, en termes de volatilité. Donc on n'a plus l'habitude à ça. On a l'habitude de voir des gros trucs de 1 500 $ toutes les 2 heures, 3 heures au niveau move. Bah, même là, sur un an, on est passé de 38 000 à. Ouais, on est passé de 38 700. Ouais, on les a eu, vous me direz. Hein. Mais c'était pas dans le sens que je voulais en tout cas. Peut-être tenter un petit coup de scalp sur le SAR là. 37 400. On va y aller léger. 37 350, on va y aller léger. Let's see. Et de toute façon, si c'est calme, on va pas forcer. Il est quelle heure? 15 h 08. Ouais, il y a l'Open US qui va bientôt arriver. On va voir si ça excite un peu le marché. Sinon, on coupera la session. Hein. Enfin, à un moment, c'est pour se faire chier toute l'après-midi parce que ça se calme trop. Moi, en tout cas, je vais pas forcer au niveau du trading. Je pense plutôt que je vais aller un peu au soleil dehors. Si ça se calme trop. On devrait se faire exécuter. Viens me chercher. J'aimerais bien que tu viennes me chercher ici. Alors pour vous expliquer pourquoi j'essaie de rentrer ici, on arrive sur les SAR. Les SAR c'est un indicateur parabolique. Et j'ai un indicateur custom dessus au niveau des données. Et mon but, c'est que quand on va toucher, en fait, c'est soit qu'il y a une grande chance qu'on réalise un changement de tendance. Là, vu la configuration du marché actuel, j'y crois pas trop. Ou soit qu'on est sur un excès, un peu comme les bandes de Bollinger au sommaire d'eau, dans l'idée, vous voyez. Il y a des chances qu'on rebondisse dessus s'il n'y a pas un changement de tendance. Et je pense
Je crois pas à un changement de tendance à ce niveau-là en fait, pour l'instant. Donc à partir du moment où je crois pas à un changement de tendance, bah j'essaye de buy et puis de. Bon, ça va être un peu du scalping là ce que je vais faire. Hein. Allez, viens un petit peu plus bas là. Allô? Ah oui. Est-ce que c'est du spoofing? Non, il se fait exeg. Hein. Ouais, y a un mec qui rentre avec une. Il rentre avec une trentaine de BTC, il est en train de se faire exeg tranquillement. Les 37 500 se font acheter apparemment. Est-ce qu'il va remonter son ordre? Il remonte son ordre. Ouais, j'ai l'impression que le niveau des 37 500 va se faire racheter. Mais tant pis, il ne sera pas passé celui-là. J'étais un petit peu trop greedy. J'aurais pas dû mettre un chiffre rond. Il n'arrête pas de remonter son ordre. Des fois, quand vous êtes un peu trop gourmand, je voulais avoir vraiment. Je m'attendais à une petite mèche là, un peu comme on a eu ici. Oula. On n'a pas eu du tout, ça remonte pile poil dessus. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça va repartir sans moi parce qu'on va retourner aux 500 et puis ouais, on peut rendre un peu en dessous. Je vais me faire chier aujourd'hui, j'ai bien l'impression. Comme ça, hier j'ai eu pas mal de trades à prendre. Non, quoique j'en ai eu pas mal, mais le soir, une fois que j'étais en live l'après-midi, c'était un peu pareil qu'aujourd'hui, c'était vachement calme. J'ai coupé le live le soir et c'est parti en sucette complet. En fin d'après-midi, j'ai eu pas mal de signaux. Et genre, le live d'hier, c'était un peu comme aujourd'hui. J'ai fait ça le live sur un Discord, c'était pas sur YouTube. J'ai eu zéro. Je suis resté, je sais pas, 3-4 heures sur Discord en live. J'ai eu zéro setup. Zéro co, enfin j'ai rien eu. Et là, je regarde si j'ai pas fait une connerie, si j'ai pas oublié de. Non, non, la dernière à 9 h ce matin. Donc il est 15 h, ça fait 6 h, j'ai rien eu. Après, c'est comme ça. On en a pas, on en a pas. Hein. On va pas les forcer. Après, c'est normal. Hein, mon setup, c'est sur des spikes de volatilité, ce genre de choses. Et là, il y a un peu de volatilité, mais on n'est pas dans des excès pour prendre des trades. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a pas à prendre, on force pas. Qui tu penses me l'a partagé sur Twitter? Ouais, écoute, si quand j'ai l'info, si c'est pas sorti avant, je la partagerai. Après, je pense que ça va vite tourner, ça. Tu devrais l'avoir aussi assez rapidement sur comment ça s'appelle Crypto Panic. Crypto Panic. Vous devriez vite l'avoir dessus là. Ah, les banques ont chopé 14 milliards de dollars d'amende en 2020 sur les lois anti-blanchiment d'argent. Grayscale qui achète pour 200% plus de Bitcoin que ce que les mineurs peuvent miner niveau supply actuel. Polkadot, that is not the fault. Ouais, Polkadot, en ce moment c'est costaud, costaud, costaud. Nous, ça fait longtemps qu'on est positionné dessus. Voilà, vous qui nous a mis plutôt bien. C'est quoi ces conneries de news? Selon les chercheurs du channel Analysis, des personnes. Attends. Ok, aurait reçu plus de 500 000 dollars en Bitcoin de la part d'un mystérieux donateur français. Article.
Oh là là, ça va nous faire chier. Putain, mais ils sont. En fait, les sites de crypto français sont complètement cons parce que déjà, que niveau crypto, on passe pour des marioles, anti-terrorisme et tout. Et ils racolent ce genre d'informations qui sont bien sûr pas encore vérifiées à 100%. Et ils les racolent comme des petites putes. Ils sont vraiment débiles, hein. CryptoTos, pour le coup, c'est pas un gros QI là de reporter ce truc alors que c'est pas vérifié, que c'est pas du 100% sûr. Il donne à manger à Bruno Le Maire là en fait. C'est pas super intelligent de faire ça alors qu'il n'y a rien de fait. Ouais, ok. Je pense qu'il aura, même si c'est le cas, il aura plutôt dû filer ça avant de se suicider à des associations, enfin des trucs vraiment intéressants, plutôt que l'ultra-droite américaine. Le mec il vit en France, et là il avait qu'à vivre aux États-Unis ce guignol. Hein. Les mecs ils ont pas de cerveau. Demain, hein, je sais pas, j'ai des problèmes de santé, je décide de me suicider, bah c'est certainement pas à une mouvance politique ou quoi que j'ai filé mon oseille, mais plus à des associations, à des. Bref. On a été pris là, 37 350 de BTC. C'est chiant pour vous, parce que vivement que j'ai fini là mon bureau. Déjà comme ça vous pourrez voir ma gueule en live un peu. Vous pourrez vous foutre de ma gueule. 37 000, je pense que si on y va, je vais charger beaucoup plus. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bon, après, c'est loin. Hein. Après, c'est un peu loin pour moi, je trouve. On a une petite. Ouais. Il y a une petite formation en épaule-tête-épaule, mais elle est clairement bâtarde. On est surtout en train de faire des. Des lower. Lower low. Hein. Petite phase d'orange. Ouais, check ça. On pourrait avoir un peu plus d'activité là avec l'OpenUS qui va arriver. 12 minutes. On va se trouver une petite clope. Reset funding. Enfin, reset funding, on a au niveau du funding. Toujours les shorters qui se font payer. C'est ça aussi, hein, qu'il se passe rien sur le marché. Vous avez un funding où les shorters se font payer, ça peut être intéressant pour eux de. Le marché en plus ne montre pas de signe de confiance extrême plus que ça. Ça peut être intéressant de se faire payer le funding hein, au niveau des perps. Donc, des gens qui rentrent dans les petits shorts, pas du scalp, mais on s'en rapproche juste pour se faire payer un peu sur le funding. Ça peut jouer, ça peut jouer.
Et du coup, on a bien fait de sortir tout à l'heure. On avait bien fait de sortir. On était sorti à quelle heure? À quelle heure? On était sorti à combien? Ouais, au même prix. Ok, je viens de reprendre 2 BTC là où j'avais lâché pas mal de BTC tout à l'heure. 3800. C'est hier ça? Ah, c'est tout à l'heure. Pris un BTC à 3800. Ok. Ouais, mais je l'ai ressorti plus haut. Ok. Ouais, bah écoutez, hein, si le marché donne pas, on va le scalper un peu. Hein, parce que sinon, on va se faire chier. On va tenter. On va wait les US, voir ce que ça fait. S'ils ont envie ou pas. En tout cas, les Européens, je pense qu'ils ont trop bouffé à midi. Parce que depuis 14h là, ils ont plus trop envie. TH, TH. C'est chiant parce que quand je regarde un truc, bah du coup, sur mon autre écran, vous voyez pas forcément. Ouais, même le TH, hein, c'est. Non, c'est plutôt calme là. Hein. C'est plutôt calme. Faut être patient. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions. Surtout quand c'est plus calme comme ça, pour moi c'est plus facile. Est-ce que tu peux rappeler le nom du site d'actu? C'est CryptoPanic. Vous tapez CryptoPanic sur Google. CryptoPanic.com. Et vous pouvez classer les news. Vous avez des systèmes pour classer les news selon ce que vous voulez voir ou pas voir. Il y a pas mal de trucs. Vous l'avez en full news français, je crois. Il y a moyen de mettre ça en full français. Je sais plus où, mais il y a moyen. Là, je vais commencer à prendre le feed portugais. Est-ce qu'il y a du feed en portugais? Il doit pas y en avoir des matchs, je pense. Si je gère l'anglais et le français en portugais. Ah, il y en a un peu. Putain! Ouais, mais il est en fait, c'est la traduction. Ok, c'est la traduction. Je me disais, on n'est pas encore super. La fiscalité. Et pro crypto Portugal, mais niveau société de crypto et tout, c'est pas encore ça. Et d'ailleurs, je vois qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est plutôt lié au Brésil qu'au Portugal même. Ce qui m'étonne pas trop en fait. Mais je vais les laisser du coup, tiens, les portugaises. Et c'est fou le brésilien à chaque fois. Tu as déjà montré ta tête? Bah, il y a plein de photos qui circulent de moi sur internet. Après, tu sais, moi je suis pas un mec qui aime faire le beau sur internet, montrer que j'habite, que j'ai une grosse vue sur des belles collines. Après, en live, je crois que je l'ai jamais montré. Et c'est pas une histoire de. Un, déjà, je fume. Et je sais que j'ai un. Entre guillemets, par rapport à mon âge à moi. Personnellement, j'ai 34 ans, mais je dois avoir un public. Enfin, quand je lance en live, c'est forcément des plus jeunes. J'ai pas envie de montrer à des jeunes que. Enfin, j'ai pas envie de les inciter à fumer. Et j'ai pas envie de devoir couper ma cam à chaque fois que je m'allume une clope. Parce que c'est chiant. En plus, je compte arrêter de fumer, donc tu vois. Et puis même, je suis en mode de chill chez moi et tout. Enfin, je trouve plus vachement contraignant que. Quand je traite, tu vois, je vais. Par exemple, je reste pas devant l'écran tout le temps, tout le temps. J'ai mes signaux qui me collent, etc. Souvent, je vais marcher autour de mon bureau pour me dégourdir les pattes, pour pas rester assis toute la journée, ce genre de truc. Bah, quand t'as un casque sans fil sur les oreilles, tu le fais facilement et puis personne t'emmerde. Si les gens arrivent sur un truc et qu'ils ont l'habitude de voir une cam et qu'ils voient personne devant, ils vont se dire bah, il est où? Il est parti en vacances ou quoi? Comment on fait pour rejoindre la communauté WeTrade du coup? Bah, tu vas dans le. Quand t'es sur Discord de WeTrade, tu vas dans le général, t'as ce qu'on appelle les messages épinglés.
Donc tu vas là-haut, tu télécharges le petit fichier et tu le réponds aux petites questions qu'il y a dedans et tu le rebalances dans le chat général et moi je soumets ça au vote et dès que les gens ont voté, ben tu le sais si ça a été accepté ou pas. Ouais, mais il est juste venu. J'aurais même pas été fil là si j'avais mis un ordre. Non, il a pas été aux 37 000. Encore, il a pas été encore, on va dire. Après, est-ce que j'ai envie d'acheter les 37 000 tout de suite maintenant à 5 minutes de l'OpenUS? Je suis pas sûr. Même si je pourrais le regretter. Va voir. C'est toi la photo dans le Lambo orange avec un enfant? Ouais, c'est moi. Bon, j'étais en mode. J'allais voir mes beaux-frères jouer au foot, donc voilà. Quand tu vas voir tes beaux-frères jouer au foot, j'étais en short en plus, c'était l'été, short, petite casquette à l'envers, hein, forcément, comme ça, tu te fais bien insulter de soit fils à papa, soit dealer de drogue. Forcément, quand t'es dans une Lambo, tu peux pas être juste un mec qui a travaillé, qui a réussi dans sa vie, t'es forcément soit un dealer, soit. Enfin, en France, en tout cas, c'est très comme ça. Après au Portugal et en Italie, parce que j'allais beaucoup en Italie en week-end, c'est très différent. Les gens, ils t'interpellent bah, pour te féliciter que t'as une belle voiture. Mais en France, non, tu te fais plutôt insulter en fait quand tu passes devant les terrasses de café. C'est un truc que j'ai souvent entendu, c'est soit fils à papa, soit vendeur de drogue. Mais jamais, jamais. Oh putain, hein, t'as le petit jeune avec sa bagnole? C'est pas comme ça en France. Et le gosse, bah, c'est quand j'allais voir mes beaufs jouer au foot, bah, tu sais, t'as des gamins, t'as soit les petits frères, soit les petits neveux, ce genre de truc, qu'aller voir les tontons, les cousins ou les frères jouer au foot. Et quand je voyais qu'il y avait un gamin qui avait les yeux qui brillaient un peu, bah je lui disais quoi, tu vas aller faire un tour. Puis bah t'embarques le gamin, tu fais un tour de voiture, et puis le gamin il descend de la voiture, et t'as les yeux qui brillent. Et ça, je kiffe ça. Je l'ai plus, elle a été vendue, Théo. T'as jamais vu ma Lambo à l'air? T'habites où à La Rochelle? Parce que pourtant, je vais dire là où j'habite à La Rochelle, j'habitais le quartier de la Rossignolette, entre Mireuil et Portneuf. Genre tout le monde au courant qu'il y avait une Lambo qui traînait. À partir du moment où t'as une Lambo dans une maison entre deux cités, que ce soit les jeunes de Mireuil, les jeunes de Portneuf. Un, on m'entendait sortir de chez moi, et puis deux, tout le monde est au courant, quoi. Parce que j'ai jamais eu de problème avec les jeunes de La Rochelle, donc ça m'arrivait très très régulièrement de passer devant. Tu sais, t'as le grand parc là de Mireuil, là. Je sais pas comment, je sais plus le nom de ce parc. T'as un énorme parc là, Mireuil. Et t'as souvent les jeunes qui étaient là, donc. Bah, une fois, je me suis même fait interpeller par un jeune de mon Discord. Genre il était dans une Renault Clio 2 ou un truc comme ça et ça me klaxonnait, je comprenais pas, tu vois, je pensais que j'avais un problème et tout, donc je m'arrête et le mec il vient à côté de moi et bah, il me parle en fait, ouais je te connais de Discord, là, là, là. Bah pareil, il a garé sa Clio puis on a été faire un petit tour en discutant, c'était bien sympa. Châtelaillon, ouais, après le problème c'est que en fait avec une Lambo t'as aucun intérêt à aller dans le centre-ville de La Rochelle. La Rochelle, tu vois, c'est en sens unique, t'as plein de sens interdits. Si tu peux aller tu peux aller dans le centre-ville de La Rochelle, mais c'est pour faire le beau en fait. Et c'est pas intéressant d'aller faire le beau dans La Rochelle. Les seules fois où je passais dans le centre-ville de La Rochelle, c'est je m'arrêtais au bureau de tabac pour acheter mes clopes sur le vieux port et je me cassais quoi. T'as quoi comme voiture maintenant? J'ai pas racheté de voiture. J'ai une BM qui est même pas. Enfin, ma femme est en train de passer son permis. Elle a eu son code, mais elle a pas encore le permis. Mais je lui ai déjà acheté sa bagnole et j'ai pris une série 5 BM en boîte auto. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai celle-là. Et je pense surtout qu'au Portugal, là où je suis à 15 km de la capitale, et t'as pas de. C'est un peu vallonneux. Ouais, c'est un peu des vallons là où je suis à. J'ai pas envie de me retrouver avec. Je pense pas que je vais acheter une sportive. Je pense plus que je vais me faire un kiff sur un 4x4. Un bon 4x4, genre. J'aime bien le Jaguar F-Space. Bon, honnêtement, mon plus gros kiff, ce serait pas ça. Ce serait le Urus. Mais le Urus, il coûte juste. J'ai pas envie de mettre 350 000 balles dans une caisse, quoi. Tu vois, c'est.
C'est le prix d'une maison. J'aime bien les belles voitures, mais pas au point de lâcher des demi-millions dans les voitures, quoi. Je suis pas fou non plus. Bolzi, il est où, Mika Lamas? Bah, je sais pas, hein. Soit tu l'appelles lui, soit t'appelles sa femme, mais. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui te dise où il est? Est-ce que je vis avec lui? Est-ce que c'est un poteau? Est-ce que je suis sa femme? Non, c'est pas moi qui vais te dire où est-ce qu'il est. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était pas vers là où je suis au Portugal, il était dans le nord du Portugal. Il était vers Porto. Dans les montagnes et dans le froid. Moi je suis plus dans le sud, tu vois, bord de mer, des vraies plages, pas des galets. Et il fait un peu plus beau ici que là-haut. Pourtant, t'avais quand même. Ouais, mais c'est pas une Lambo, ça coûte pas 300 000 euros, les gars. J'avais une Gallardo, hein. J'avais pas une Aventador ou ce genre de truc. J'aime bien les belles bagnoles, mais j'aime pas perdre d'argent au niveau de mes délires, des trucs que j'aime. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée, que j'ai pas acheté en France déjà pour commencer. Ce qui fait que quand tu la revends, tu perds pas d'argent normalement. Et une Gallardo, c'est un investissement en fait, parce que c'est une voiture qui avait 16 ans quand je l'ai achetée. Je l'ai revendue à se rapprocher des 20 ans et à commencer à reprendre de la côte parce que tu te rapproches. Quand tu te rapproches des 20 ans, les gens dans leur esprit, c'est dans 5 ans elle est collection la voiture. Donc elle gagne de l'argent. Et il y a eu tellement de voitures de Gallardo qui sont fait crash qu'il y en a de moins en moins dans le monde. Donc je pense que c'est. Enfin, je savais que c'était une voiture qui allait reprendre de la valeur. Corvette C8, c'est. Ouais, après, je suis moins américaine, honnêtement. Enfin, je suis moins américaine parce que dans ma famille, mon père est vachement branché. Mon père est président d'un club de. Vous savez, les motos Harley-Davidson. J'ai trop baigné dans la culture américaine, en fait, jeune. Donc, j'en suis dégoûté, en fait. Donc, à titre privé, j'ai pas envie d'avoir de bagnole américaine alors que toute ma jeunesse. J'ai traîné mon cul dans des caisses américaines, dans des bécanes américaines, et j'en ai juste plein le cul, quoi. Donc je suis moins fan d'américaines du coup. Je suis plus fan des italiennes, même si elles sont fragiles. Et après des allemandes, hein. Honnêtement. C'est pas ma plus grosse voiture, c'est pas la voiture qui m'a coûté le plus cher, mais le véhicule qui m'a le plus plu, c'est le Porsche Cayenne. Parce que je venais juste d'être papa. T'as un bon petit SUV, enfin à l'époque, hein, t'as un bon petit SUV, enfin t'avais un bon petit SUV, t'arrivais à te taper une petite pointe à 270, t'avais la sécurité, tu pèses 3 tonnes, donc autant te dire que s'il y a une voiture qui te rentre dedans, c'est pas la tienne qui est pliée, c'est plutôt l'autre. Et ouais, il y avait l'effet, je suis en sécurité quand j'ai ma gamine dans la voiture, bon je roulais pas comme un taré avec ma gamine, mais genre quand je partais tout seul à un rendez-vous, je sais pas, je devais faire 400-500 km pour un meeting ou ce genre de truc, ben je pouvais m'amuser un peu quoi. C'est la voiture avec laquelle j'ai les meilleurs souvenirs. Et pourtant, c'est pas la plus sportive. Et après, ouais, Gallardo, j'en ai eu deux. J'en ai eu une blanche aussi. J'ai eu celle-là, elle est ouf. Je vais vous la montrer. Tac, tac. Elle est où? Oui, c'est là, c'est ma femme. Hein. Puis je. Ouais, hein, vous allez me dire, ah, t'es un fou, tu mets ton nom et tout, je vais pas me cacher, on va pas venir me braquer chez moi. Enfin, j'ai pas peur de ça. Voilà, c'est avec ma femme. On la voit mal d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Ça, on s'en fout. Ouais, elle était comme ça. Bon, c'était moi, à l'époque, je mangeais un peu beaucoup. Hein. On était proche de. En fait, tous les week-ends, on partait en. Je bossais pas mal, je bossais énormément la semaine et genre le vendredi soir, on se cassait en Italie à San Remo et on avait nos entrées là-bas, on connaissait un bon petit resto. Et là on le voit, hein, je me portais pas trop mal. Hein.
Je devais taper les 105 kilos, je pense, à l'époque. Non, j'en ai eu trois. Non. Alors la troisième, c'est pas pareil. La troisième, en fait, c'était. J'en ai une autre. J'ai une Gallardo Spider noire. Mais elle n'était pas qu'à moi. Enfin, c'est un peu complexe. En fait, quand j'avais ma boîte dans le sud, j'avais investi dans une boîte de location. Et en fait, on faisait du short time au niveau des bagnoles. Ça veut dire que moi, j'avais balancé 25 000 balles dans une. En gros, c'est comme si tu prenais une voiture, tu la coupais en 4 et elle était à 4 mecs. Et j'avais une Gallardo Spider noire, donc j'avais mis 25 000 balles au niveau de la boîte. Et le short time était intéressant parce que quand j'en avais ras le cul de traîner avec la Gallardo. Et 37 000, Open US. Ouais, on va voir ce que ça donne. J'avais. Par exemple, il y en avait un qui avait une 458 Italia, il y en avait un autre qui avait une Ferrari 599. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme bagnole? Il y avait une Rolls-Royce Phantom, mais c'était pas trop mon trip. Il y avait une GT Continental. Et genre, on s'est changé les voitures en fait. Genre, il y avait, on va dire qu'on était une douzaine. On était une douzaine à posséder. Il y avait 5 bagnoles en tout. Et genre, je prenais celle que j'avais envie le vendredi soir pour aller bouffer un truc vite fait sur Nice. Le samedi, j'en prenais une autre. Enfin, le week-end, parce que du coup, moi, je restais sur San Remo, je dormais là-bas. Puis le week-end d'après, je prenais une autre bagnole, puis on se faisait un peu plaisir. Tu as mis combien de temps pour t'offrir une si belle voiture? La blanche, c'est quand j'ai eu ma boîte, hein, entre 2011 et 2014. Genre, j'ai vu mon salaire multiplié par 4 en moins d'un an. Je suis pas quelqu'un de très très dépensier. La seule dépense que j'avais quand j'étais sur la Côte d'Azur, c'est que je payais un loyer très très cher. Je payais un loyer très très cher parce que je savais que j'allais pas rester là-bas sur place, donc j'avais pas d'intérêt d'acheter une maison. Et genre une villa dans les hauteurs de Cannes-sur-Mer, piscine à débordement, la totale, tu vois, pour être bien chez toi. À l'époque, je crois que je payais 3000, 3 500 balles par mois. Donc c'était ma seule dépense. Qu'après les autres dépenses que j'avais. Je suis pas bijou, je suis pas genre de truc, je suis pas genre un mec qui va claquer des 4 000 balles dans les fringues ou ce genre de truc. Après, mes seules dépenses, c'était d'accueillir mes potes chez moi et de se faire des grosses bouffes le week-end. Donc, je suis pas quelqu'un de dépensier, on va dire. À part les bagnoles. Et être bien chez moi, parce que je bosse de chez moi, donc t'as pas envie d'être dans un petit appartement avec les petites qui font du bruit à côté, t'as envie d'être tranquille chez toi, quoi. Du coup, ça m'avait permis de stocker pas mal de thunes assez rapidement. Ouais, ça bouge un peu, mais. Ouais. Ça bouge un peu, mais pas plus que ça, hein. 200 balles sur un Open US, c'est pas ouf non plus. Passe. Oh, Coinbase va lister tous les alts. Your objective is to list every compliant as possible to exchange what you choose. Ok. Move that could rapidly put the number of Coinbase on set insurance portal. Ok. Ils vont faire un peu comme la DeFi, ils vont automatiquement accepter tous les projets. Ok. Ça pourrait faire partir les alts, ça, un peu. Hein. Puisque les alts seront assez facilement trouvables sur... chez Coinbase, du coup. Je mets la news à des potes. Ça pourrait être très profitable aux alts, ça.
Oh là. XRP. Ouais, Ripple, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué. Ça pue pour Ripple. C'était quoi ta boîte dans le sud où tu investis? Alors, moi j'avais une boîte, j'avais une société d'investissement de 2011 à 2014 que j'ai vendue en 2014. Et la boîte où j'ai investi, ça s'appelait. C'était un truc genre, c'était en anglais, ça devait être Luxury Car Rental ou Luxury Rental Car, c'était un truc du genre. Je sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. Je vais regarder. Tac. Est-ce que ça existe en Luxury Rental? Nice. Alors, est-ce que c'est celui-là? Le problème, c'est que des noms comme ça sur Nice, t'en as 26 000 quoi. 30 Luxcar. Après, je me rappelle de l'adresse où c'était, donc si je le trouve, je vais vite le savoir. Contact us. Rue des Paquis, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est celle-là? L'adresse, s'il vous plaît. Ah, ça peut être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Laisse-moi voir juste l'adresse. L'adresse à Nice. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, puis leur. Ouais, ils avaient un bon. Niveau véhicule, ils étaient pas trop mal placés. Voilà. Au niveau des prix aussi, ça allait. Tu commences à toucher de la. Alors, celle-là, elle est un peu chère parce qu'elle est plutôt rare, la Ferrari. Là, la Ferrari. Tu vois, une Aventador d'or à 1600 balles, ça reste correct. Huracan 1300. Bon, bien sûr, maintenant, ils ont plus de Gallardo. À l'époque, t'en avais pas mal. Ouais, ça reste correct au niveau des prix. C'était celle-ci. En Tuxcar.com. McLaren 1600 balles. Et du coup, bah nous, on payait pas. Parce qu'en fait, là, il faut savoir que ces véhicules, ils appartiennent à des gens. Hein. En général, c'est beaucoup des véhicules qui viennent de Monaco. Enfin, qui appartiennent à des gens qui sont sur Monaco. Qui, plutôt que de les laisser pourrir, entre guillemets, les sous-louent à cette boîte. Qui garantit l'entretien, etc., etc., du véhicule. Donc c'est toujours intéressant, parce qu'ils ont leur propre équipe avec un bon petit chef d'atelier. Et derrière, bah quand t'as besoin de ton véhicule, t'as un mec, ils sont deux en fait, t'as un mec qui suit sur un T-Max, là il y a l'autre qui conduit, il ramène la voiture, puis il repart en T-Max quoi. Donc c'est un service qui est plutôt cool, ça te permet d'amortir les coûts du véhicule. Vu le prix que ça coûte, bah au niveau kilomètre, toi une Bugatti Veyron quand tu la sors à 25 000 euros par jour. T'es limité en kilomètres, hein, tu vas pas lui mettre 1000 km dans la journée. Donc voilà, ça permet d'amortir les coûts du véhicule et de te faire plaisir. Ou alors carrément de laisser, je sais pas, tu vas laisser dans les mêmes prix, tu vas laisser une Aventador, tu vas te permettre de. Enfin, tu vas pouvoir prendre, je sais pas, si t'as envie de changer. Bon, après, dans les mêmes prix, t'en as pas beaucoup en vrai. Non, t'en as pas énormément dans les mêmes prix. Je sais pas, t'as envie de te faire plaisir, tu prends une petite Rolls-Royce décapotable, pour aller te promener quoi.
Mais je le fais plus. Je le fais plus parce que je suis plus dans la région du tout. Et ma femme n'a pas du tout aimé la région. Confort de vie, c'est important. Ouais. À première vue, j'attendais les zones vertes. Tac, tu parles de quelle zone verte, Yanis? Tu voyages beaucoup ou pas trop? Quand j'avais ma boîte, je voyageais énormément. Je prenais au moins une à deux fois l'avion. Le problème, c'est que quand j'avais ma boîte, en fait, j'étais le main trader. Et j'avais trois traders en dessous de moi. Mais genre, c'est moi qui gérais le plus de capitaux. Donc, je pouvais pas non plus m'absenter trop longtemps parce que bah, ça impactait sur les performances de la boîte. Mais ouais, je partais après voyager. Je partais principalement en Europe. C'était souvent pour rencontrer des clients, rencontrer des avocats, rencontrer du compliance, pour des histoires de régulation, ce genre de trucs. Je suis parti une fois voir un client à Maurice. J'étais où, tiens, cette période 2011-2014? J'ai fait Maurice en dehors de l'Europe. Quand je dis l'Europe, en gros, je faisais beaucoup l'Angleterre, l'Espagne. Italie, Portugal, Suisse, Luxembourg, Allemagne, j'ai fait le Danemark. Après, en dehors de l'Europe, j'ai fait Maurice pour sûr. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des Français hein, expatriés. Dubaï, le classique, Qatar, dans ce coin-là. En Asie, j'ai fait les Philippines. Lié à la boîte, hein, je parle. Hein. Tokyo. Et après, les États-Unis, bah, j'ai fait New York, j'ai fait San Antonio, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait Columbus. Et c'est tout. De mémoire, comme ça, c'est tout. Il a combien le funding là? Il doit être pas trop élevé, je pense. Ah, si, il est élevé alors qu'on baisse. Hein. Bizarre ça. Enfin, élevé. Il est à 0,0050. Mais ça reste élevé, je trouve. J'essaie de le questionnaire sur Discord, du coup, on verra ce que ça donne. Ouais, bah écoute, je le transmettrai ce soir, et puis ils voteront. Et toi, t'avais investi dans cette boîte? Non, j'avais pas investi dans cette boîte. En fait, la boîte te permettait, en gros, tu faisais ce qu'on appelle de l'avance de trésorerie. Donc la boîte avait des véhicules à acheter. Et par exemple, en gros, c'est comme si j'avais un quart. À l'époque c'était une Gallardo Spider noire. C'est comme si j'avais acheté un quart de la voiture, grosso merdo, sauf que ça se répercutait dans ce qu'on appelait les quotes-parts de la boîte. Et du coup je bénéficiais je pouvais me servir des autres véhicules, ou je touchais des bénéfices quand la voiture a été louée, ce genre de truc. Mais t'as beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça hein, dans la location de luxe hein, parce que les mecs ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter enfin, la Ferrari à l'époque, quand tu la sors, t'es pas loin. Allez, même si tu l'achètes un an ou 2 ans après la sortie, la première, t'es pas loin des 600, 800 000 euros, j'ai envie de te dire. Quand tu l'achètes assez tôt, la boîte, une simple boîte de location de voiture de luxe, c'est son chiffre d'affaires annuel, je pense. Donc, tu vois, elle est obligée de faire appel à des investisseurs extérieurs. Enfin, en tout cas, moi à l'époque dont je te parle, entre 2011 et 2014. Je l'ai fait en 2012 ou 2013, ça se passait beaucoup comme ça. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours dans les mœurs ou pas, honnêtement. Et en termes de rentabilité pour un investisseur, c'est pas super rentable. En fait, c'est plus tu profites du parc automobile que d'avoir un gros seuil de rentabilité. C'est pas un truc que je conseillerais pour faire d'investissement financier, ça vaut pas le coup. C'est plus pour se faire plaisir avec des belles bagnoles de temps en temps, quoi. Mais après, c'est un truc qui m'est passé, ça c'est un truc jeune. Enfin, même aujourd'hui. Ça c'est pas trop chaud. Même aujourd'hui, j'aime bien les belles bagnoles, mais pas au point de sacrifier le confort de ma famille pour une bagnole, quoi. Si j'ai une opportunité pas chère. Enfin, en fait, c'est plus. Je vais foutre du fric dans une voiture si il y a de la thune à faire derrière, quoi. S'il n'y a pas forcément un moyen de faire de la thune, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi.
ça m'est passé, on va dire. Puis tu te lasses, hein. Quand t'as déjà eu une belle bagnole, deux belles bagnoles, trois belles bagnoles, bah au bout d'un moment, les belles bagnoles, tu sais surtout que c'est des coûts et que c'est du fric qui part en l'air. Hein. Sauf quand t'essayes comme moi de pas perdre d'argent dessus. Ça veut dire que t'essayes d'acheter un truc correct pour le revendre, en profiter pendant... Ouais, mon but c'est plus ça, j'achète des bagnoles, j'en profite pendant un an ou deux, et j'essaye de les revendre au prix que je les ai achetées, quoi. Ou pas loin en tout cas, histoire de pas perdre trop de fric dessus. Mais j'aime pas... Même dans mes passions, j'aime pas perdre du fric, donc... Puis de toute façon, c'est comme ça, si tu fais pas attention à ton fric, t'as plus vite fait de voir ton... C'est plus facile de ça, de faire disparaître de l'oseille que de le rentrer, hein, honnêtement. Si tu fais pas attention, ça sort plus vite que ça rentre, hein, donc... Moi encore en plus j'ai de la chance, j'ai pas une femme qui est super. C'est même moi toi qui dois dire à ma femme de temps en temps tiens vas-y prends la carte, va te faire plaisir un peu là. Et même comme ça quand je dis ça en général, quand je dis va te faire plaisir, elle revient et genre elle m'a niqué 400 balles sur la carte, vous voyez, c'est pas non plus excessif. Et les trois quarts des trucs c'est pour les petites en plus, c'est pour mes gamines, c'est même pas pour elles. Faut le racheter, on retourne aux 37 000. Au départ, si honnêtement, si le marché s'excite pas, je vais couper le live. Hein, ça sert à rien que je reste en live pendant 3 heures s'il se passe rien de foufou. Puis je vous avoue, comme ça, je vais m'occuper un peu de préparer la maison. Là, j'ai ma femme qui arrive ce week-end avec les petites. S'il se passe rien de fou, on va pas se faire chier avec un marché qui a pas envie. Comme ça, si jamais ça s'excite ce soir, bah, peut-être que je relancerai un live à l'arrache ce soir. Ouais, on va faire ça, les gars. On va faire ça, les potos. On va couper là. Parce que même le marché US, là, ouais, c'est hésitant. C'est hésitant de ouf aujourd'hui. J'ai pas envie de forcer, et puis j'ai pas envie de trader, là. Il me donne pas envie, le marché. Et quand le marché vous donne pas envie, bah, faut pas se forcer. L'overtrading, ça sert à rien, de toute façon. Si vous avez pas d'opportunité, si vous voyez pas d'opportunité, ou si le marché il vous plaît pas, forcez jamais. Vous forcez jamais à essayer de faire de la thune. Parce que quand vous forcez alors que vous n'avez pas envie déjà de base, en général c'est comme ça qu'on perd de la thune plus qu'autre chose. Je vous dis peut-être à ce soir. Si c'est pas ce soir, ce week-end, c'est sûr que je serai pas là parce que bah, j'ai ma femme et mes petites qui rentrent et je vais en profiter. Ça fait une semaine que je les ai pas vus. Début de semaine prochaine, je m'installe là-haut, là dans le bureau. J'essaie de faire mon bureau et de le terminer. Et on va dire soit la semaine prochaine, je vous rebalance et je ferai des lives beaucoup plus fréquents. Par contre, je parlerai beaucoup moins sur les lives parce que, en gros, quand je suis installé dans mon bureau là-haut, le but ça va être plus être de vous montrer. Parce qu'en plus, je pourrais vous montrer aussi mes setups, je pourrais vous montrer les analyses que je fais, etc. Ça vous sera partagé, mais je parlerai beaucoup moins parce que je serai focus sur le taf. Le but ça sera vraiment de rentrer du gros chiffre en live avec vous. Et du coup, je pourrais moins répondre aux questions et tout. Mais après, je fais confiance au chat. Je sais qu'il y en a parmi vous qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent. Donc, quand il y aura des questions personnelles et que vous voyez que je serai en train de trader, je vous fais confiance pour répondre aux gens à ma place. Mais je serai beaucoup plus focus sur les trading. Et sachez que les gens qui vont parler avec vous, qui vont vouloir vous faire plaisir, etc., bah, en général, ils tradent des petits montants. Vous avez peu de gens qui vous montrent qu'ils sont en train de trader avec 2 ou 3 millions en collatéral et qui peuvent se permettre de vous répondre quand on est sur des gros enjeux. Honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué d'être concentré, focus à répondre à un chat et à trader. Donc je pense que je vais tenter le coup, je pense que ça peut être intéressant. Ça sera moins alimenté en termes de contenu, je ne suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Mais le but, ça sera plus de vous montrer l'envers du décor et vous montrer les setups que je vais trader. Je pourrais pas trop les expliquer, c'est un peu le problème. Mais au moins, vous verrez beaucoup plus de choses. Je pense que je ferai ça sur YouTube et Twitch en dual stream. Mais en expliquant bien dans le titre que c'est compliqué pour moi de répondre aux questions. Vu qu'on sera sur du lourd au niveau position, etc. Je vous dis soit la semaine prochaine, soit celle d'après. Dans tous les cas, je vous tiens au courant via mon Twitter. Et portez-vous bien. Passez un bon week-end. Et puis voilà, à la semaine prochaine ou la suivante. Des bisous, ciao ciao.